Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais partager. J'aimerais ça ici que. Diaporama. Mode de présentation. OK. Alors, vous le voyez. J'aimerais ça ici que tout le monde s'introduise puis que vous me dites où vous êtes. Je sais que je pourrais aller voir sur la liste, là, mais où vous êtes dans dans les écoles. Alors, je vais commencer par Julie. Moi, je travaille au Franco-Sud. Je suis à l'école Notre-Dame-des-Vallées de Cochrane, en Cochrane. maternelle, bien sûr. Merci. Marie-Josée et Carmel? Nous sommes du Franco-Sud aussi, à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois à Calgary, puis à la maternelle, évidemment. OK, oui. Grace? Je suis au conseil scolaire Nord-Ouest, à Peace River, en maternelle. OK. Est-ce que la température est belle à Peace River? Vous avez Oh la même oui. température que nous dans le sud? OK. Vraiment. Parfois. Sarah? Oups. Sarah? Oh, OK, ben je vais passer à l'autre personne. Je ne vois pas ton nom ici. Juste en bas de Sarah. Oh, Oussena. Oui, je suis Oussena Gogomou de l'école La Mosaïque. C'est une école du Franco-Sud. À Calgary. Paris, oui. OK. Émilie? Je suis du Franco-Sud, la collègue d'Oussena à La Mosaïque. Mosaïque, OK. Et Sarah, je te reviens. Sarah ne veut pas parler? OK. C'est le micro qui ne marche pas. OK, tu vas l'écrire dans la boîte de clavardage et qu'on comprend les signes, c'est pas de problème. OK, Admit et Geneviève. On a une nouvelle Geneviève. Geneviève qui nous arrive. Bonjour Geneviève. On te met tout de suite à la parole. Dans quelle école es-tu, Geneviève? Bonjour Geneviève. Dans quelle école es-tu, Geneviève? Bonjour, je suis à l'école Le Ruisseau. C'est à Brooks. Pardon? À Brooks. Brooks, OK. Je vais m'excuser tout de suite si vous entendez un petit peu de bruit, un bruit de fond, là, c'est parce qu'il y a des rénovations qui se passent dans la maison, puis il y a une drill de temps en temps, mais j'espère que ce ne sera pas trop pire. OK. Alors, nous avons une session sur la résolution de problèmes. Juste avant de commencer, je vais. Bon, je OK. Là, c'était ma diapositive à moi, résolution de problème, juste pour voir qu'est-ce que vous. Alors, c'est Julie qui me tient à jour. Hein. Si on ne montre pas la bonne écran, tu m'arrêtes immédiatement. L'enseignement par la résolution de problème, la causerie mathématique pour enrichir les discussions et l'intégration des perspectives autochtones présentées par moi. OK. Permettez-moi de faire une reconnaissance territoriale avant de commencer. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités. Ici, mille excuses si je fais une erreur, si je n'ai pas la bonne location pour les traités 6, 7 et 8 des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. OK. Là, j'ai besoin de vous autres. Quelles sont vos attentes? Oups. Vous avez pris le temps de signer ici. Vous avez pris le temps de signer ici sur. OK, je retourne en arrière. Non. Savez-vous quoi? Je vais aller dans. Une minute. Mais rien. J'essaie de reculer en arrière. OK. Quelles sont vos attentes pour cet atelier cet après-midi? Puis là, la parole est à vous. Vous pouvez le dire de vive voix ou vous pouvez l'écrire dans le chat. Dans le chat, Sarah. OK.
Parfait. Alors, vous pouvez soit l'écrire dans la boîte de clavardage ou le dire à haute voix. Vous avez pris le temps de signer, ça veut dire peut-être planifier pour une suppléance, ça prend beaucoup de temps. Quelles sont vos attentes pour cet atelier? Vous aimeriez ressortir d'ici avec quoi? La parole est à vous. OK, bien, je vais me lancer. C'est oui, j'aime ça, quelqu'un qui commence, oui. Dans le fond, moi, c'est ma première année en maternelle, donc c'est tout nouveau pour moi. Ça faisait plusieurs années que je faisais la sixième année. Donc, c'est un très, très gros changement. Oui. On n'est pas du tout au même niveau en fonction de la thématique. Par contre, j'ai quand même pris le temps de bien lire le curriculum, d'essayer de avec ma collègue Ousena, évidemment, qui m'a beaucoup aidée, chance qu'elle existe. Donc, c'est ça, je pense que pour moi, c'est plus d'être capable de vraiment mettre de la clarification dans ma tête par rapport à qu'est-ce qui est nouvellement demandé puis qu'est-ce qui était là auparavant, parce que je sais que les enseignantes d'expérience reconnaissent peut-être plus rapidement les changements qui sont demandés. Mais pour moi, comme c'est tout nouveau, je veux vraiment être certaine que je m'enligne dans la bonne voie et puis que c'est ça, que je sois capable de faire ça comme il faut. Peut-être que j'en demande trop. T'sais, Je ne sais pas. J'apprends cette année, donc je suis bien contente, mais c'est ça, c'est de m'assurer que les nouvelles demandes fassent du sens, puis sur ce que moi j'avais déjà planifié dans ma planification actuelle, est-ce que je corresponds, est-ce que je m'enligne, est-ce que je suis complètement en arrière ou je ne sais pas. Donc, je veux juste m'ajuster, être clarifiée, puis être certaine de où est-ce que je m'en vais, là, dans le fond. Bien, je te remercie beaucoup. Puis, c'est sûr que quand tu étais en sixième année, maintenant en maternelle, il faut vraiment se réajuster. On n'a pas les mêmes ressources, on n'a plus les mêmes attentes. Est-ce que tu as eu les documents sur planification annuelle et comparaison des curriculums? Oui, je les ai eus, mais tu sais, c'est juste que c'est ça. Je pense que c'est peut-être parce que je suis trop nouvelle là-dedans. T'sais, on s'entend que j'ai fait presque 10 ans avec la sixième année, fait que le curriculum d'eux autres, je le connais. En maternelle, ben c'est ça. C'est pour moi, c'est tellement complètement autre chose. Je sais pas. Je pense que je veux juste me rassurer, peut-être, au bout du compte, que ça va bien et que je suis dans la bonne voie, là. Bien, je te remercie beaucoup, Émilie, de le partager. Puis, en tout cas, j'ai plein de ressources, puis j'ai essayé d'aller chercher des ressources en sortant les RAL, les résultats d'apprentissage pour la maternelle, puis avoir des questions, soit des questions ouvertes, des tâches parallèles, c'est quoi, pour pouvoir... C'est pas nécessairement la résolution de problème comme nous, on a en tête, tu sais, un paragraphe qu'il faut lire et tout ça. Les maternelles ne sont pas encore capables de lire. Alors, ça va être plus des questions ouvertes pour pouvoir leur faire réfléchir. Puis j'ai essayé d'aller chercher plein de ressources pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Émilie nous a donné des attentes. Puis la marge va être haute. J'espère que je vais pouvoir répondre à tes attentes, Émilie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Des activités que je peux faire avec mes cocos? Oui, j'en ai. Des idées pour simplifier la résolution de problèmes au niveau de la maternelle? Je pense que j'ai des exemples là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose que vous aimeriez ajouter? Je regarde dans la boîte de clavardage. OK. Ça, okay. Les défis et les avantages. Bon, ben, les défis, un gros défi que moi je vois, puis peut-être que vous en voyez d'autres qui ne me viennent pas en tête, résolution de problème, les enfants ne peuvent pas lire. Alors, tout doit se faire à l'oral. Il faut que ce soit des exemples très simples parce qu'on n'évalue pas les enfants, on ne les pénalise pas parce qu'ils ne sont pas capables de lire. Est-ce que je vois d'autres défis? Est-ce qu'il y a d'autres défis que je ne vois pas pour la maternelle? C'est le plus gros qui me saute à la tête, aux yeux. Vous voulez rajouter des choses? Oui. Un des défis que je trouve avec surtout le groupe que j'ai cette année, c'est les différences. Mes faibles et mes forts. Surtout en mathématiques, c'est absolument... c'est un écart, un très, très grand écart. Oui.
Oui, c'est un très, très gros défi. Puis je pense que c'est la réalité dans toutes les classes. Alors ici, qu'est-ce que je vais montrer? Vous allez voir que c'est des questions ouvertes qui vont pouvoir adresser ça ou les tâches parallèles. Puis je vais montrer des exemples de ça ici, comment faire des tâches parallèles. On commence avec la fin. On va commencer avec quel serait notre âge, quelle serait notre réponse qu'on attend. Puis on met plus de marge dans les réponses. Manque de vocabulaire, OK. Manque de vocabulaire extrêmement... Oui, beaucoup, beaucoup de manque de vocabulaire. Puis... Ma souris. OK, là, je vais retourner en arrière. OK, manque de vocabulaire. Prenez vos flèches, gauche, droite. Je ne les vois pas. C'est ça, non, mais sur votre clavier. Je retourne en arrière. Vous devriez être capable de reculer. OK. Ben, merci. Ben, tu peux me ça fait plaisir. Ça va être facile. Merci. Des fois, quand je fais la présentation, je me mélange. OK. Défi, vocabulaire. Alors, on va se servir beaucoup, beaucoup d'images pour le vocabulaire. Une grande marge, une différenciation dans la classe entre les habiletés des enfants et le vocabulaire parce que c'est français et immersion. D'accord. Pourquoi enseigner par la résolution de problèmes? Ce que j'ai fait ici, la présentation que j'ai préparée, j'ai tiré ça de beaucoup, beaucoup de ressources que j'ai. Puis chaque fois que j'ai utilisé des livres, je vous mets le lien de ce livre-là pour que vous puissiez, si jamais vous êtes intéressé, de le recevoir. Pratique pédagogique à fort impact en maths. L'enseignement efficace utilise des pratiques adaptées à la culture des expériences d'apprentissage différenciées pour répondre aux besoins. Il met l'accent sur le développement de la compréhension conceptuelle, la maîtrise des connaissances, communication, acquisition des habiletés, se pratiquer, puis notamment en résolution de problèmes. Ça, c'est copier-coller de livres. Est-ce que vous êtes familière avec la causerie mathématique? Vous avez déjà entendu parler de causerie mathématique? Non. Okay. Je ne passerai pas à travers tout ça ici, mais si jamais vous êtes intéressé pour en avoir plus, une causerie mathématique, exemple, je vais faire prompt pour causerie mathématique. Prompt, je suis d'accord avec toi parce que, quand les enfants parlent, je ne suis pas d'accord parce que. Peux-tu m'expliquer comment? Alors, je t'entends dire, c'est surtout des prompts pour les profs, pour encourager la discussion et aussi entre eux lorsqu'ils vont être plus familiers avec leur concept. Copie ici. Aide-moi pour qu'est-ce qu'une causerie mathématique? Right. Did you download Grammarly? If you want to ace it. Causerie mathématique, là, c'est surtout comment intervenir en salle de classe, comment faire parler les enfants pour les engager. Je vais juste enlever ça. C'est pas le meilleur des vidéos. Je vais aller en chercher un autre. Ça ici, c'est la vidéo, une causerie, le bavardage mathématique. C'est surtout comment aider les enfants en tant que prof. En tant que prof, si je dis, admettons que j'aurais le nombre 5 et 0. Je pense à une question ouverte comme ça. J'ai les chiffres 5, puis le chiffre 0. Puis je pourrais leur dire, OK, on réfléchit. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la différence? En quoi ces chiffres-là se ressemblent? Et en quoi sont-ils différents? Puis aide-moi, qu'est-ce qu'une causerie? Prompt, puis on pourrait avoir les signes. Vous voyez, si j'y pense, les enfants vont penser, j'y pense, j'ai une idée, j'ai deux idées. Ah, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est juste des signes pour les... Plutôt que les enfants commencent à dire une réponse puis qui disent la réponse tout de suite, la causerie mathématique aide tout le monde à penser et
ils sont silencieux. Il n'y a personne qui crie la réponse avant les autres. Alors, ben, crie, c'est un gros mot, là. Il n'y a personne qui va dire la réponse avant les autres. Puis c'est juste, exemple, si j'ai le nombre 5 et 0, OK? Imaginez-vous dans votre tête le nombre 5 et le chiffre 5 et le chiffre 0. En quoi se ressemblent-ils? En quoi sont-ils différents? La parole est à vous. Je vais donner un exemple. 0. Ben, 0, il est tout rond. Il n'y a pas de ligne droite. OK. Sont différents. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Vous pouvez faire ça. Je pense. Oh, j'ai une idée. Vous pouvez soit le dire ou l'écrire dans la boîte de clavardage. Alors, c'est ça une question ouverte. Puis c'est ça. C'est juste une idée très, très vite. C'est quoi la causerie mathématique? C'est qu'il n'y a pas de réponse exacte. Et la réponse des élèves nous aide, comme exemple, si je veux dire... Anita dirait, ben le 5, il y a des lignes droites, puis 0, on n'a pas. Puis je pourrais dire, OK, Émilie, est-ce que tu veux répéter ce qu'Anita vient de dire dans tes mots? Alors, c'est vraiment les encourager, puis toujours les garder sur le qui-vive, en fin de compte, pour pouvoir dire leur réponse. Alors ici, j'ai essayé de sortir des choses, c'est des aides, c'est quoi la causerie mathématique, étant donné que notre journée aujourd'hui, notre session, c'est sur la résolution de problèmes. Je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus. Mais si jamais vous êtes intéressé à apprendre plus, il y a des vidéos ici, puis sur le bavardage mathématique. Celui-là, la vidéo de le bavardage mathématique, je pense que c'est une situation en salle de classe en troisième année que le prof encourage les enfants à parler. Okay. Julie, tu me tiens à jour. Selon vous, pourquoi serait-il avantageux d'enseigner par la résolution de problèmes? Allons voir ce que les experts en disent. Là-dessus, j'ai plein de ressources. Je suis allée dans mes ressources. Aller chercher des choses. OK. Les maths ont plus de sens. J'ai juste souligné qu'est-ce qui était très important. Je ne lirai pas tout ça pour vous parce que vous lisez aussi bien que moi. On a une meilleure compréhension de la pensée mathématique. C'est plus motivant. Persévérant. Je vous donne un exemple. Si vous parlez de géométrie, OK, plutôt que de dire on montre un carré, c'est quoi? C'est un carré, c'est quoi? C'est un cercle. Plutôt que faire ça, j'ai regardé autour de vous dans la classe, qu'est-ce que vous voyez comme forme dans la classe? Alors, je parle de géométrie, j'ai une question ouverte, puis là, les enfants vont regarder autour d'eux. Alors, permet une différence d'approche pour trouver la solution. Exemple, si je parle de géométrie, l'enfant qui connaît juste le cercle ou le carré, va dire, madame, l'horloge est un cercle, la porte, bon, c'est pas un carré, mais la fenêtre dans la porte est un carré, d'accord? Puis, tu en as d'autres qui vont être fiers de dire, madame, je vois un octogone dans la classe parce qu'il y a 8 côtés. Alors, c'est là que ça va aller voir la différenciation, la marge de, la grande marge de différence entre les habiletés des enfants. Puis, différence approche, la pratique à la fois avec des concepts et des compétences. Alors, ça ici, c'est pourquoi c'est bon de faire des résolutions de problèmes. Ça ne marche pas. Okay. La diversité en salle de classe, alors il y a une de vous qui en a parlé. Il y a plus en plus de diversité en salle de classe, puis on le sait, vous le vivez. Alors, s'assurer que les problèmes offrent des points d'entrée multiples, des tâches différenciées, puis faire des groupes hétérogènes. Ça ici, quand je suis allée voir, souvent on faisait des groupes, on va mettre un faible avec un fort parce que ça va nous aider. Mais parfois, ce qui risque d'arriver, c'est le fort qui fait tout le problème, puis l'enfant qui est plus faible. Et juste content d'assister. Alors, faire des groupes hétérogènes vous permet peut-être de vous asseoir avec les enfants qui ont besoin d'un peu plus d'aide, puis les plus forts sont plus capables de travailler seuls. Ici, des caractéristiques de bons problèmes. Là, je regarde, n'hésitez pas si vous avez vidéo concernant la causerie mathématique. OK, merci Geneviève. OK. Des caractéristiques de bons problèmes, c'est là que j'ai fait beaucoup d'exemples. C'est quoi des bons problèmes? Qui disent c'est quoi des bons problèmes? C'est des problèmes ouverts qui laissent une marge. Il n'y a pas juste une réponse. C'est ça qui va pouvoir adresser la différenciation en salle de classe. Exige qu'un élève relie de nouvelles idées à celles qu'il a déjà apprises.
peut être résolu de plusieurs façons. Quand tu as un bon problème, il y a plusieurs façons d'y arriver, pas juste une façon. Plusieurs réponses, pique la curiosité, signification pour l'élève, un élément créatif. Puis je vais donner des exemples. Là, je suis un peu sur la théorie. OK? Technique pour créer des bons problèmes. La technique des blancs. Exemple. Ici, ça devrait être pour la première année. J'ai oublié de changer. Erreur ici, ça c'était pour la première année. Place les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, ça devrait être les nombres, dans les boîtes suivantes. Puis utiliser le vocabulaire. Alors, c'est une technique des blancs. C'est pas juste si tu mets 8 puis tu mets 6. Est-ce que 8 est plus grand? Tu laisses les enfants écrire plusieurs choses. Alors, ça ici, technique des blancs, ça serait 8 et plus que 7. Si vous allez dire, c'est peut-être facile, puis trouve-moi plusieurs façons possibles, plusieurs réponses possibles. T'en as, c'est là qu'on peut voir l'habileté des élèves. T'en as qui vont y aller au hasard. Ils vont dire, OK, 8 est plus grand que 7. 5 est plus grand que 0. Ils vont y aller au hasard, c'est correct. Puis ceux qui sont plus forts, tu peux dire, est-ce que tu as toutes sorti les possibilités possibles? C'est là qu'un enfant plus fort va dire, OK, mais je vais y aller avec 9 est plus grand que 8, 8 est plus grand que 7. Ils vont y aller d'une façon organisée. C'est là qu'on voit si l'enfant a la profondeur de la compréhension. Ici, j'ai juste mis un exemple parce que si on va voir dans le programme, OK, je vais voir dans le programme. Et là, est-ce que j'ai ouvert le curriculum de mathématiques? Oui. D'accord. Alors moi, vous allez voir, j'ai souvent ça ici. Les rares ont été numérotées. Quantité jusqu'à 9. Ça ici, c'était image. Ça, c'est pouvoir identifier la quantité avec le nombre. Ici, je voulais aller sortir le vocabulaire de plus grand, plus, moins, même, assez, pas assez. OK? C'est que là, vous avez la quantité des blancs. C'est là qu'on pourrait aller voir ça. J'ai pris ce rase ici, examiné la quantité jusqu'à 10, puis je suis allée voir dans la connaissance pour les mots. OK, interrompez-moi si vous avez des questions. OK. Moi, j'en ai une. J'adore les questions. Oui, j'écoute. Émilie? Est-ce que tu penses qu'on devrait leur laisser, par exemple, tu sais, comme moi, je pense à mes plus faibles, là, des enfants, j'en ai un en particulier qui a été présent 9 fois depuis le début de l'année. Oh boy. Qui n'a aucune zéro connaissance de ses chiffres. Mm-hmm. Est-ce que je devrais, tu sais, puis j'ai beau lui montrer au tableau, mais tu sais, en tout cas, c'est on est mais vraiment en retard. Oui. T'sais, je comprends là, quand on parle de est plus petit, tel est plus grand que, mais comment est-ce que je fais pour l'aider, ce petit coco-là, à pouvoir embarquer là-dedans? Parce qu'il n'est même pas à l'étape de comprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que ce soit en anglais ou en français. Là. Alors, lui, il n'est vraiment pas au niveau. Plutôt que parler plus grand, plus petit que, lui, là, je ferais juste de 1 à 5, puis ça serait juste la cour de la correspondance bionivoque, tu dis un à un compte, 1, 2, 3, jusqu'à le faire compter, puis juste dire peut-être les chiffres 1, 2 et 3. Avec du manipulatif, c'est ça? Avec du matériel manipulatif. Le matériel manipulatif, puis faire l'exemple aussi avec le matériel manipulatif, mettons que j'ai 3 cubes, 3, bon ben tu as 3, associe-le avec le chiffre, le vrai chiffre, la forme du 3. Puis ensuite, qu'est-ce qui est plus grand? 2, est-ce que c'est plus que 3 ou moins que 3? Puis juste limiter, il y en a qui sont capables de faire jusqu'à 20. Il y en a qui, lui, ça serait juste 1, 2, 3. Le but, ça serait de se rendre jusqu'à 5 avec lui. S'il peut comprendre le 5, vraiment bien assimiler le 5 avec vous savez, il appelle ça de frame of 10, frame of 5, les cadres de 10 ou les cadres de 5. Lui, juste le faire travailler avec un cadre de 5. Quand on lui montre, j'en ai juste 3 sur un cadre de 5 et il est capable de le voir. Puis vous allez voir, j'aurais d'autres jeux pour ça, pour l'aider. Mais lui, je le ferais juste à 5. Okay. Les autres sont capables de se rendre jusqu'à 10. Une autre façon ici, une balance, voir le curriculum M2, la balance, ça serait qu'est-ce qui est égal? Parce que là, ici, on parle de
5, c'est la même chose que 3 plus 2. OK, je vais aller chercher un autre 13. Puis si on met une balance en plateau, comme ici, j'ai mis une balance en plateau, c'est pour vous montrer, page 47-48. OK. Là, ça a l'air être compliqué pour une balance à plateau. Ça serait plus la première année. Balance à plateau. Mais il y en a, vos phares seraient peut-être capables de le faire. Sauf que moi, je le montre comme ça ici. Mais si vous avez une balance en plateau, vous pouvez mettre d'un côté, vous mettez 5 blocs. Mettons 5 blocs ensemble. Puis de l'autre côté, tu pourrais mettre 2 comme une tour et 3 pour dire que ça fait 2 plus 3. Alors, ça ici, puis comment faire la différenciation pour ça, ce serait comment faire la différenciation pour la balance à plateau. Il y en a qui travaillent jusqu'à 5, tu en as qui sont capables de travailler jusqu'à 10, puis tu en as qui sont capables de travailler jusqu'à 20 blocs. Puis c'est juste, ça serait juste au toucher, ils n'ont pas besoin de l'écrire. Si je mets 10 blocs d'un côté, bien, de l'autre côté, je peux mettre 5 et 5, 2 tours de 5. 10 blocs d'un côté, je peux mettre 6 et 4. Puis ceux qui sont vraiment forts et que vous voulez les pousser, vous leur demandez comment sais-tu que tu as toutes les possibilités? Alors, c'est là qu'ils devraient organiser leurs données. Alors, ça serait un même rase, mais on ajusterait nos attentes. Ici, est-ce que vous connaissez le matériel, les boîtes, les réglettes cuisinaires? Oui. Ça ici, je l'ai fait en maternelle, parce que quand j'enseignais la maternelle, puis les enfants adoraient ça. Je l'ai mis sur une... Au début, on le faisait juste avec... la photo que j'ai prise ici, c'est un app que je peux ouvrir, les cuisinaires, sur mon téléphone et sur ma tablette, mais pas sur mon ordi. OK? Alors ici, je les faisais juste travailler manuellement avant, là, juste... organiser le matériel concret, je voyais le 5, puis trouve-moi toutes les possibilités de faire 5. Sans mettre rien sur le papier. Là, je l'ai mis sur un papier quadrillé pour vous montrer. Juste toutes les possibilités. J'ai 2 rouges, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, rouge. Puis là, je le fais comme ça, puis toutes les possibilités possibles. Ensuite, je faisais la même activité, mais je leur demandais sur papier quadrillé, puis ils faisaient avec le vrai matériel, puis ils devaient copier sur papier quadrillé. Okay? Alors, j'avais 2 carrés rouges, 2 carrés rouges, 1 carré blanc. Puis, la troisième étape, encore là, ça serait une différenciation pour ceux qui sont plus forts. Pourrais-tu m'écrire à côté qu'est-ce que tu as? Bien, j'ai 2 plus 2 plus 1. J'ai 2 plus 1 plus 2. C'est comme ça qu'on commence à faire. C'est la base des faits de base. Alors, les cuisinaires, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Puis plus tard dans la présentation, il y a un train de cuisinaires, puis il faut que les enfants puissent... Il y a un train qui monte et qui descend, là, tu sais, des lignes quadrillées verticales et ensuite horizontales, puis ils doivent toutes le remplir avec des cuisinaires. Là, ils sont capables de voir, je pense que c'est un 2, je pense que c'est un 3. C'est comme ça qu'ils commencent à travailler leur fait de base. Alors, les réglettes cuisinaires, c'est un outil qui est qui serait pratique pour faire la différenciation. Okay? Une façon de présenter les problèmes, problèmes sans nombre. J'ai plusieurs pièces de monnaie et ma grand-maman m'en donne d'autres pour ma fête. Est-ce que j'ai maintenant plus ou moins de pièces de monnaie? Pas de nombre. Puis là, on pourrait changer, j'ai juste donné un exemple. J'ai plusieurs pièces de monnaie, j'en donne à mon petit frère. Est-ce que j'ai maintenant plus ou moins? Puis on pourrait dire, est-ce qu'en équipe, pourriez-vous créer un problème? Ou juste, puis des fois, ça serait juste peut-être un problème par jour à l'oral. Juste un problème par jour à l'oral sans nombre. Juste pour leur dire, juste pour leur montrer plus, moins. Puis c'est là qu'on peut voir les parties manquantes, parce que voir, là, ça va avec la maternelle. J'ai déjà des pièces de monnaie. J'en ai déjà, mais je ne sais pas combien. Puis ma grand-mère m'en donne 2 autres. J'en ai maintenant 5. J'avais combien de pièces au départ? Souvent, les enfants ont appris dans les résolutions de problèmes que je regarde les chiffres, j'ai 2 nombres ici, 5 plus 2, 7. Ou 5 moins 2, 3. Ils font juste, ils servent des nombres, puis la partie manquante. Pour la partie manquante, je vais ouvrir ce jeu-là. Et ça, je l'ai déjà fait en maternelle. Je vais essayer de... OK. Je vais essayer d'ouvrir quelque chose. Et je veux juste...
Je l'ai manqué. Okay. Ça ici, vous allez l'avoir dans... Je vais vous montrer où j'ai pris cette ressource-là. C'est facile d'accès. Ça vient de Van de Waal, mais je l'ai à l'ordinateur aussi. Ce que j'avais fait, j'avais photocopié tout ça en couleur. Je les ai découpés par bande, le 4, le 2 et le 2. Juste une bande rectangulaire avec les trois carrés. Ça, c'était découpé ensemble. Puis ce que je faisais, les enfants de maternelle étaient assis autour de moi. J'avais ça ici. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si vous me voyez ici, je montre des blocs emboîtables. Non? OK, les boîtes emboîtables. Puis là, je montrais, j'en donnais 5 à tout le monde. Parce que là, je fais juste le maternel, je vais juste travailler jusqu'à 5. J'ai OK, j'ai 4. Puis je cachais une des sections ici. J'essaie de le cacher. Je ne l'ai pas. Je voulais le cacher ici. Je peux-tu cacher ça? Alors, imaginez que vous avez ça ici, vous avez ces 4 bandes-là, puis je mets un papier adhésif ici, un petit papillon adhésif comme ça ici, et je cache un des nombres. J'ai 4, j'ai un nombre mystérieux, et j'en ai 2. Quel est le nombre qui est caché en celui-là? Puis les enfants, plutôt que dire la réponse, tout ce qu'ils font, les enfants, ils me faisaient ici, il y avait... Est-ce que c'est parce que est-ce que vous voyez les blocs que je montre à l'écran? Oui. Okay. J'ai 4. J'ai certains nombres de cachés, puis j'en ai un nombre de cachés, puis j'en ai 2. Qu'est-ce qui est caché? Les enfants pouvaient le voir tout de suite avec les blocs. Puis plutôt que me dire la réponse, madame, c'est deux, je ne veux pas entendre de réponse. Montre-moi ta réponse. Puis je faisais le tour avec mon pouce. Ou ajuste ta réponse. Alors ça ici, ce jeu-là, ça va jusqu'à 12, je pense. Alors ici, vous pouvez voir, j'ai 5. Là, je vais retourner avec mon 5. Puis on peut changer qu'est-ce qu'on cache. J'essaie de cacher quelque chose ici. Je ne sais pas si je peux le cacher. Non. OK, pas ça. J'essayais de prendre une photo pour le cacher, mais ça ne marche pas. OK. Si j'ai 5 ici, OK, j'ai 5. Puis je pourrais dire, OK, j'ai 4. J'en rajoute un, puis cette fois-ci, c'est le 5 que j'ai caché. C'est juste pour montrer qu'on change quelle partie manquante. Soit que c'est la réponse finale, soit que c'est une partie manquante dans le milieu, on additionne, on change lesquelles. Les enfants ont adoré ça. Je le faisais en maternelle, puis on s'était rendu jusqu'à 10. Je faisais peut-être 2 ou 3 exemples, puis je commençais petit. Mais ça ici, la partie manquante, c'est vraiment une façon... plus facile pour ensuite comprendre. J'ai quelques bonbons. Maman m'en donne 2 autres. J'en ai maintenant 8. Qu'est-ce que j'avais au départ? C'est pour leur montrer visuellement ça ressemble à quoi. OK? Alors, partie manquante. Oups. Je vous mets en haut. OK. C'est bien aujourd'hui. Technique pour créer des bons problèmes, commencez par la fin. Ma réponse est simple. Quelle peut être la question? Posez-moi une question. Vous êtes en maternelle. Ma réponse est simple. Quelle pourrait être ma question? Quelqu'un veut partager? Quel chiffre vient après 4? Le chiffre, OK. Quel chiffre vient après 4? Merci. Quelqu'un a une autre idée? Ma réponse est simple. Quelle est la question? J'ai deux bananes. Oui. Dans la main gauche, j'ai 3 pommes dans ma main droite. Combien j'ai de fruits en tout? Parfait. Alors, voyez-vous comment ça ouvre énormément? C'est pas juste quel est le chiffre? Alors, c'est eux autres qui vont sortir. Puis, croyez-moi, ça va adresser la différenciation parce qu'il y en a qui vont être capables de dire j'ai 50 $, j'en ai perdu 45 parce qu'ils sont fiers de dire qu'ils sont à ce. Là, on parle un haut niveau, là, mais ça ouvre vraiment la différenciation dans les réponses. Trouve différentes façons de faire un 10. 6 et 4. Puis il pourrait vous le montrer, ça ici, il pourrait facilement le montrer si j'ai les blocs. Si vous avez les blocs emboîtables, les blocs emboîtables comme ça ici, ce que je faisais avec les enfants,
puis je leur disais, surtout en maternelle, ben, maternelle 1, 2, 3, puisque je m'en servais à chaque jour, je dis, OK, mes blocs, quand ils dorment dans ma boîte, ils dorment par des colonnes, des tours de 10 de la même couleur. Parce que c'était très important qu'on voit le 5 et le 5. Je donnais une colonne de 10 à un enfant, puis j'ai dit, sépare la moitié avec quelqu'un d'autre. Alors, pour qu'ils aient tout de suite un 5 et un 5 pour faire 10. Quand j'ai ça ici, trouve différentes façons de faire 10, bien, l'enfant va dire, j'ai 6 et 1. Comment sais-tu que c'était 6? Bien, 5 et 1, ça fait 6, puis là, j'ai 4. Alors, c'est pour voir, ils pourraient vous montrer tout de suite leur réponse. Autre exemple, commencer par la fin, regarde autour de toi et trouve des formes dans la classe. Alors, je ne leur donne pas une forme, mais c'est à eux autres, je sais que je travaille sur les formes, c'est à eux autres de m'en trouver. Ça ne marche pas, mais... C'est lent. OK. Planification de bonnes réponses. Ici. Alors ici, commencer par la fin, définir le sujet. OK. Réfléchir à une réponse fermée. Écrire la réponse. Formuler une question qui comprend ou qui porte la réponse trouvée à l'étape 2. Ça ici, c'était des techniques pour... Parce que moi, quand on a commencé à parler de questions ouvertes, c'est bien beau, mais des fois, les questions ne nous viennent pas. Alors là, on montre des étapes comment les faire. Exemple, ici, j'ai pris MS1, ça veut dire maternelle, suite, première rase, rase 1. Les enfants repèrent et créent des suites à motifs répétés. La leçon de demain, définir le sujet, les suites. 2, réfléchir à une réponse fermée et écrire la réponse. La question fermée pourrait être, quelle est la régularité dans cette suite? Rouge, jaune, jaune. Rouge, jaune, jaune, rouge, jaune, jaune. Mettre ça ici, mais en question ouverte ou commencer avec une bonne question. Peux-tu créer une suite répétitive de 3 termes en utilisant les formes de ton choix? J'ai mis toutes des formes de la même couleur d'un côté. Fait qu'il pourrait faire cercle parce qu'en troisième, en maternelle, je pense que c'est des suites à 3 éléments. Alors, on pourrait faire cercle, carré, cœur, cercle, carré, cœur, qui pourrait juste, ou soit juste des formes différentes ou les couleurs différentes. Alors, c'est comme ça qu'ils peuvent travailler là-dessus. Je parle encore sur les suites, mais plutôt que moi leur faire identifier une suite, ils créent leur suite. Alors, ça ici, c'est tiré du livre « Activité ouverte en mathématiques », ce livre-là. Alors, quand j'ai pris des choses de directement des livres. J'ai essayé de vous montrer où sont ces livres-là. Puis moi, ce que je ferais, des fois, vos écoles, l'administration, si c'est comme ça ici, c'est pour la maternelle jusqu'à la sixième année, un livre pourrait être utile pour toute l'école. On le regarde. Les questions sont faciles. On prend une idée de question et on peut travailler pendant quelques jours sur la même question. Alors, on n'a pas besoin en tant que prof d'avoir chacun nos livres à nous, ce qui peut beaucoup, beaucoup aider. OK. Je retourne ici. Alors, Julie, tu me tiens toujours à jour si vous voyez ce qui sont à l'écran. Alors ici, j'avais commencé par la fin. Une technique, comment écrire de bonnes questions. Une autre technique, comment écrire de bonnes questions, c'est adapter une question conventionnelle. Définir le sujet, réfléchir à une réponse conventionnelle, puis l'adapter pour faire une bonne question, en parenthèse. J'ai pris un autre rase ici. J'ai pris... M1, c'est maternelle. M pour mesure. 1, le résultat de l'apprentissage. Les enfants explorent la grandeur à l'aide, ouh, il y a une erreur ici, de comparaisons directes. OK. Il va falloir que je corrige ça. 1, définir le sujet. La leçon de demain portera sur la mesure des longueurs avec des unités non conventionnelles. Ça va avec la maternelle. 2, réfléchir à une réponse conventionnelle. Combien de longueurs de main mesure ton pupitre? C'est une réponse. Ben, une grosse main, une petite main, c'est très conventionnel. Je change, je parle de mesure, je sais que je parle de mesure. Pouvez-vous trouver un objet dont la longueur mesure trois longueurs de main? Alors, c'est là qu'ils vont aller dans la classe, puis c'est la même question. Je parle de mesure, ils prennent leur main, puis ils vont mesurer. Ils peuvent le mesurer horizontalement, verticalement, ils peuvent le faire comme ça, ils peuvent, alors vous allez voir, puis quand on va dire trois longueurs de main, il y en a que c'est couché, il y en a que c'est debout, puis ils vont voir que c'est plus long, alors c'est une même activité sur la mesure, la question est extrêmement ouverte, puis tout le monde est capable d'y participer, même nos faibles.
Question? Interrompez-moi. Commentaire? OK. J'ai une question, Isabelle. Est-ce qu'on doit, on doit à la maternelle déjà initier aux enfants les différents termes comme conventionnel, non conventionnel, standard, non standard, ce que les premières années, les deuxièmes années, autres commencent à voir là? Est-ce qu'à la maternelle, on leur donne le terme, le vocabulaire? Non, non, je ne, merci de ta question. Si je regarde, je vais aller voir tout de suite, tiens, je vais aller voir ici, parce que j'adore ta question. Je vais aller voir ici, curriculum. Je vais descendre vite, puisque ça, c'est le nombre. Je vais aller voir dans la mesure. C'est là qu'on on entend, qu'on voit le terme conventionnel, non conventionnel. Nombre, ça, c'est géométrie. Mesure, OK? À l'aide de comparaison directe. Alors ici, pour le terme conventionnel, non conventionnel, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de leur montrer. Nous, on sait quand on dit non conventionnel qu'on n'utilise pas avec une règle. On ne mesurera pas avec une règle, on peut mesurer ça. Peux-tu trouver quelque chose qui mesure à peu près 5 blocs? Oh, si vous voulez une activité qui est super le fun à faire en salle de classe, vous pourriez l'acheter tout de suite. Je pense que ça s'appelle une plante, on voit ça à Coop, ça s'appelle Amyralis. C'est une plante qui pousse super vite, il y a une grosse, grosse bulbe qu'on met dans la terre. Puis je vous jure qu'en dans une semaine, la plante peut mesurer jusqu'à comme 2 blocs. Puis je l'ai fait dans une école une année, j'étais math coach dans une école immersion, puis j'avais ma plante, on l'appelait la plante magique, l'amyralis. Puis malheureusement, ça fait des années de ça, puis j'ai pas pris d'exemple, j'ai pas pris de photo, c'était avant l'ère des téléphones digitales que tout était à portée des doigts. J'avais planté ma plante, puis ma plante se promenait à chaque jour avec moi dans toutes les classes. Puis au début, on l'a planté, puis il n'y avait presque rien qui montrait, il y avait juste ça. OK. 2 blocs. Trouve quelque chose dans la classe qui mesure comme la plante, allez-y. Puis ensuite, au fur et à mesure que notre plante grandissait, là, je prenais une ficelle. Puis des fois, là, en dedans de 1 mois ou 2 mois, votre plante peut avoir jusqu'à, je vais aller 18 pouces, je vais aller conventionnel, 20-30 cm. 30 cm, 40 cm. Puis ça nous aidait énormément pour faire des graphiques. On regardait la journée 1 ou la semaine 1, la semaine 2. Alors, la plante, c'était une amyralis. Puis je le vois à Coop quand je rentre au magasin Coop ou à Superstore. Ça vient dans une boîte, puis on voit la plante, il y a une belle grande fleur dessus. Ça serait quelque chose qui serait super le fun à faire pour les enfants de la maternelle. Parce qu'il y a une grandeur, il y a une différence. Vite, on la voit grandir. Puis pour Anita, pour répondre à ta question, non, on n'a pas besoin de leur dire conventionnel, non conventionnel. C'est pour nous, ça, ici. Merci. D'autres questions? OK. OK. Ça, ici, j'ai... quelle heure qu'il est? 1h45. On va prendre une pause à 2h15. Ça ici, j'ai mis un tableau. Ça, on pourrait peut-être juste faire un exemple ensemble. On ne le remplira pas au complet, mais ça serait juste pour vous autres à vous définir comme définir le sujet, penser à une réponse possible, formuler une réponse qui comprend la réponse de l'étape 2. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait choisir une idée organisatrice? Oh, statistique, ça ne va pas avec la maternelle. OK. Premier qui parle, choisit. Quelqu'un veut piger une idée organisatrice? Soyez pas gênés, on est juste un petit groupe ensemble. Allez-y. Allons-y pour la géométrie. Géométrie, parfait. Alors, on va aller voir géométrie. On va aller voir le curriculum géométrie. On va aller voir c'est quoi le RAS. On va aller voir dans le COSP, le connaissance, compréhension, habileté et procédure. Moi, je l'appelle le COCO app. OK? Alors, géométrie. Géométrie. On va aller voir exactement c'est quoi le curriculum, puis on va commencer par la fin. Géométrie, nombre, littératie. Oups. Géométrie. Les enfants examinent la forme. OK, voici. Puis j'ai juste un RAS. Un RAS, tout est sur la même page. Parfait. Établir, je regarde ici. Une figure peut être représentée en utilisant des objets. OK.
une figure familière à deux ou trois. Alors, je pense à une réponse. Puis ensuite, une réponse. Je pense à une, mon sujet, c'est la géométrie. Parfait. Décrire une figure en utilisant des mots tels que plate, courbée, droite et ronde. Okay. Alors, on va choisir ici une réponse. Examiner des figures à trois dimensions en les roulant et les empilant une sur l'autre. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire genre un carré? OK. Réponse, carré. OK. Alors, on va aller voir ici. Commencer par la fin. Donc, ça pourrait-tu être quelque chose comme quelle forme à quatre côtés? OK. Quelle forme à quatre côtés? Aujourd'hui. Alors, on était dans la géométrie. Pense définir le sujet, c'était la géométrie, puis ça va être les formes. Formes. Réfléchir à une telle. Pardon? Ou est-ce qu'ils savent c'est quoi un carré? Donc, ça serait, c'est ça le sujet? Bien, réfléchir à une question. Oui, OK. Réfléchir à une question conventionnelle, ça serait du style quelle est cette forme? OK. Quelle est cette forme? Puis, retourner à une bonne question, ça serait une. Si je prends la. J'ai trouvé mon sujet, géométrie. J'ai trouvé c'est quoi un carré? Quelle est cette forme? Puis, une bonne question, quelle est la différence entre un carré puis un rectangle? Qu'est-ce qui se ressemble? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Bien, ils ont quatre côtés. Il y a des lignes droites. Les quatre côtés sont égaux d'un côté. Il y a des côtés d'un. Le rectangle, les côtés sont plus longs. Alors, c'est commencer à penser d'une autre façon de toujours avoir juste une réponse exacte. Alors, ça serait plus. Je sais que je veux qu'ils parlent des formes. Je vais leur montrer plusieurs formes, différences et similarités entre les deux formes. Alors, ça serait une façon. Je l'ai faite ici, ça serait. On pourrait le faire tout le monde ensemble, mais j'ai tellement d'autres exemples de questions que j'aimerais passer avec vous aujourd'hui. Ça ici, je le mets là si vous voulez travailler avec un collègue, une collègue, pour dire, OK, on fait la géométrie ce mois-ci. J'aimerais développer ma technique de. Ils appellent ça en parenthèse des bonnes questions, plutôt qu'une question. Quand je dis de bonnes questions, c'est à l'opposé d'une question traditionnelle qui a juste une réponse, pour pouvoir vraiment faire réfléchir que tout le monde peut embarquer à leur niveau. L'enfant qui est plus faible, bien, carré, rectangle, bien, c'est OK, je vois quatre côtés. OK, c'est bon. Puis, tu en as d'autres qui vont dire, bien, madame, il y a un côté, ça mesure à peu près deux mains, ça mesure à peu près cinq blocs couché, deux blocs debout, puis on peut les faire parler comme ça. L'autre ici, menu de stratégie pour la résolution de problèmes. Ça ici, ça vient d'un livre aussi. Je vais vous mettre en haut. OK. Acter le problème, utiliser un modèle, faire un dessin, deviner et tester, chercher un modèle, une suite, utiliser une phrase ouverte. C'est toutes les façons de menu de stratégie pour. Puis quand on parlerait de problème, si je dis. En maternelle, je leur donnerai pas tout ça ici. Acter le problème. OK? J'ai cinq blocs. J'en donne deux à Émilie. Combien m'en reste-t-il? On acte le problème. Utiliser un modèle, ça serait, on va faire un dessin. Juste peut-être, juste deviner comme ici, on pourrait peut-être juste leur montrer les trois premières choses pour leur dire, OK, là, quelle est la stratégie que tu vas utiliser pour faire ton problème? Moi, madame, je vais faire un dessin. OK, montre-moi ton dessin. Juste pour commencer à leur montrer des stratégies différentes façons. Faire une liste organisée, les enfants ne sont pas rendus là tout de suite, mais l'enfant qui va travailler avec les blocs cuisinaires, qui est capable de me faire 10, puis de dire 9 plus 1, 8 plus 2, puis il me fait toute une liste organisée. Lui, il a fait la liste organisée. Je ne m'attends pas à ce qu'un enfant de la maternelle soit capable de le faire, mais puisque une d'entre vous m'a dit qu'il y avait des fois une grosse marge de différenciation dans la classe, peut-être qu'il y en a qui seraient capables de le faire. Alors, ça ici, c'est des menus de stratégie. C'est commencer juste à leur trouver, moi, je dirais, acter le problème, faire un dessin. Deux. Voici deux stratégies qu'on peut travailler, puis rajouter les stratégies avec eux autres, puis leur dire, OK, tu travailles sur un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, madame, je vais utiliser un modèle ou je vais utiliser une liste. Commencer à leur montrer les stratégies possibles, puis y aller au compte-goutte.
Okay. Comment évaluer la résolution de problèmes? Parce que là, c'est bien beau de dire on fait plein de résolutions de problèmes, mais il faut aussi l'évaluer. Ça ici, ce sont des grilles d'évaluation que j'ai mis dans la ressource de mathématiques. Est-ce que vous connaissez ce site-là? Ressources en mathématiques du CPFPP? Oui, non? OK. Ça ici, ça l'a vu le jour il y a un an de ça, parce qu'à chaque fois que je donnais des ateliers, que je faisais des formations comme ça, c'était toutes des ressources que moi j'avais sur mon ordinateur, puis ça me prenait toujours du temps à toutes les partager après. Puis le consortium m'a demandé si ce serait mieux si on faisait un site où toutes les ressources dont je parle sont faciles d'accès. Alors ici, on parle évaluation. Alors, je vais aller voir dans la boîte d'évaluation. Évaluation en 4 points. Je vais aller. Julie, tu me tiens à jour là, vous voyez l'évaluation? Oui, on peut le voir. Parce que des fois, j'oublie. OK. Évaluation en 4 points. Il faut que je corrige. Désolée. Ça, j'ai compris. Excellent accomplissement. Ça te dit comme là, ça serait l'enfant qui t'a toute fait la liste organisée. Il a vraiment compris comment représenter 10. L'autre, il me l'a fait, mais ce n'est pas organisé, mais il a mis plusieurs modèles. Comment faire des groupements de 10 avec les blocs cuisinaires. Alors, c'est j'ai compris, j'ai pas compris. C'est là que ça peut nous aider un peu. Je vais retourner à ressources. Billet de sortie, c'est plus de choses à écrire. C'est un petit peu plus difficile. Compréhension, tableau de compréhension. Alors ça vient du Manitoba. C'est juste des rubriques. Ça serait plus pour vous autres. OK? Démontre une compréhension des concepts et procédures limitées, juste pour vous. Peut-être pour vous aider à formuler quand on parle avec les parents, a besoin de soutien considérable. Je dois toujours être là pour l'appuyer. Tandis qu'on va de 1 à 4, très bon, excellent, il est capable de représenter. Mais un enfant de maternelle ne sera pas capable de naviguer là-dedans. Mais ça serait pour vous, en tant que prof, quand on fait nos bulletins, un soutien considérable. Parce que des fois, il faut trouver les mots, il faut trouver qu'est-ce que je veux dire. J'y ai mis un 1, il faut que tu sois capable de l'appuyer quand tu mets un 1. Je ne sais pas si vos bulletins sont les mêmes que les miens l'étaient. 1, c'était difficulté, un enfant qui a de la difficulté, établir les liens entre les concepts. Alors, j'ai essayé de mettre des ressources qui étaient pratiques pour ça ici. Si je vais voir dans ressources, les boîtes à outils, quand vous voulez, la partie manquante que je vous ai montrée vient d'ici. Okay. C'est là que vous allez pouvoir le partir directement. Vous faites télécharger, vous pouvez l'imprimer en couleur pour faire. Alors, tout ce que j'ai mis aujourd'hui dans la présentation, c'est tout là-dedans ici. C'est boîte à outils. Il y a énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site-là, permettez-moi juste de vous montrer. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Celui-ci, maternelle à 4e année, site du Manitoba, une excellente ressource. Okay, ma boîte à outils. Vous avez tout, vous avez la table de matière ici. Puis ensuite, ça va bon. Je vais aller plus loin là. Vous avez la table de matière, vous pouvez vitement identifier c'est quoi. Puis bande numérique, exemple, ça ici. Il faut que je le corrige. Celui-là, il faut copier. Je vais vous l'envoyer sur un autre. Je vais me faire une note tout de suite. Je vais vous l'envoyer en participant. Je vais me faire une note, envoyer le site Manitoba. Parce que celui-là que j'ai mis, il ne s'ouvre pas directement, mais j'en ai un qu'on est capable d'ouvrir directement. Aussitôt que c'est souligné en bleu, tu l'ouvres, vous avez le lien pour tout voir ce matériel-là. Il y a plein de cartes à points, il y a plein de matériel qu'on peut faire. Première année, ça quand c'est comme ça. Désolée. Ma boîte à outils en mathématiques. Je vais aller vous l'ouvrir tout de suite. Ma boîte à outils mathématiques. Okay.
Je vais juste m'assurer si c'est celui-là. Je vais vous mettre tout de suite le lien dans la boîte. Fait que je n'aurai pas besoin de vous envoyer quelque chose après. Je vais juste aller ouvrir quelque chose tout de suite. Parfait, c'est lui. Alors, voyez-vous tout ça ici? Je le mets immédiatement dans votre boîte de clavardage. Vous avez le lien ici pour pouvoir ouvrir le document. Puis vous allez voir, il y a plein, plein. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le nombre à représenter. Je sais ce qu'il est. Comme ça ici. Vous l'avez ici aussi. Partie manquante, vous allez pouvoir le faire. Nombre à représenter. Alors, vous voyez que pour les enfants qui sont plus faibles ici, on fait un point ici. Et c'est vraiment, si vous ne le connaissez pas, ça serait... Ils peuvent aussi le faire avec la pâte à modeler ou avec des accessoires ou outils multiples, en gros. Puis ça, ce qui est bien, le tactile est très, très important pour eux. Bon, c'est quand je trouve... OK, c'est ici. Je le vois ici. Le nombre, quelque chose qui pourrait être fait à chaque jour, c'est le nombre du jour. J'aurais dû me préparer d'avance. Mais ça vaut la peine de passer à travers ça. Je cherche une chose en particulier. Ici, 330. OK. Le nombre du jour. Puis c'est là, ici, quand on dit un nombre du jour, qu'on peut voir la différenciation. On mettrait au tableau le nombre 3, 9. Puis ben, on va jusqu'à 10. Mettons, je vais mettre 3, 5 et 10. L'enfant choisit le nombre qu'il veut, puis un de plus que mon nombre est, dessine la quantité. Constellation, c'est avec les points, carte à points. Alors, c'est toute une façon de toujours travailler avec le nombre du jour. Puis, ça va de plus en plus difficile pour la fin ici. Là, on parle de première année ici pour faire 20. Alors, c'est tout là-dedans ici. Ce serait dans le document de ressources que je vous ai montré, ressources mathématiques, je viens de le mettre. Là, je vous ai mis la dernière fois. Voici un site pour faire les noms des élèves pour pratiquer. Moi, je les colle à leur place pour qu'ils pratiquent quand ils ont fini leur travail. Merci. Alors, c'est un autre site sur le nom des élèves en quoi, Karine? Pour comme tracer. Oh. Pointillé, ça serait comme un niveau 3 là, pour quelqu'un qui est déjà capable de faire comme dans la boîte. OK. Alors, c'est ça qui est le fun de se rencontrer des profs de maternelle ensemble parce que vous avez d'autres matériaux, d'autres ressources que vous aimez, qui vous sont utiles. Ça serait le temps de le partager dans la boîte de clavardage parce qu'on est tous des professionnels ensemble pour le faire. OK, je vais aller voir copie de l'enseignement. OK, je retourne où j'étais. Ça ici, je l'ai fait à 3 points, au-delà des attentes, conforme aux attentes, en deçà, commet des erreurs, des omissions importantes, utilise des méthodes inadéquates. C'est juste pour vous aider à ça quand c'est le temps des évaluations, juste pour pouvoir expliquer aux parents pourquoi vous avez mis telle note. Les entrevues diagnostiques, si jamais vous devez, ça on parle encore d'évaluation, si jamais vous devez évaluer un enfant un à un, soyez ouvert et neutre pendant que vous écoutez l'élève, évitez de diriger l'élève, restez silencieux, n'interrompez pas, utilisez le mode impératif plutôt qu'interrogatif. Exemple, peux-tu me montrer? Non, montre-moi au lieu. C'est pas vraiment, à la maternelle, on n'a pas vraiment besoin d'une entrevue plus spécifique comme ça, parce que vous le voyez, c'est plus des jeux. OK. Comment résoudre un problème? Ici, je l'ai mis par écrit. Je sais que ce n'est pas la maternelle, mais parfois, pour ceux qui sont plus forts, c'est juste une technique que j'ai vue d'un prof. Puis, on va vous montrer les résultats. Ça, c'est écrit. Il y a 7 chandails sur une corde à linge. Quelques-uns sont blancs, quelques-uns sont bleus. Il n'y a pas d'autres couleurs. Combien de chandails de chaque couleur peut-il y avoir? Je ne m'attends pas à ce qu'un enfant de la maternelle soit capable de le lire. Par contre, si vous avez des enfants qui sont déjà bons en lecture et qui sont capables de lire tout seul un peu, OK, vas-y tout seul, souligne les mots que tu es capable de lire tout seul, puis viens me voir, on va le lire ensemble. Alors, c'est une technique pour toujours, parce que des fois, on a des enfants qui, on développe, on les aide tellement qu'ils ne sont plus capables de fonctionner seuls. On appelle ça, ils développent helplessness. Madame, je ne comprends pas. OK, qu'est-ce que tu as compris? Avant de venir me voir, qu'est-ce que tu as compris?
on va partir. Fait qu'il y a déjà un petit devoir à faire plutôt que de dire, ben, je ne l'ai pas fait parce que tu n'es pas venu m'aider, j'avais la main levée, puis tu n'es pas venu m'aider. Qu'est-ce que tu as compris? Puis là, je vais partir de là. Fait que ça les force un peu. Ça ici, c'est une technique qu'un prof m'a donnée. Souligne les mots que tu es capable de lire. Puis on va le lire. L'enfant lit, ensuite l'enfant lit les mots qui sont soulignés. Puis moi, le prof, lis les mots qui ne sont pas soulignés. Ce n'est pas vraiment une technique de maternelle, mais je pense à vos enfants qui sont très forts. Peut-être qu'il y en a qui sont à ce niveau-là. Ça ici, maintenant, c'est un exemple que j'ai pris. Il y avait 7 chandails sur une corde à linge. Il y a des bleus. Qu'est-ce que c'était la question? C'était quelques-uns sont bleus, quelques-uns sont blancs. On ne dit pas combien. Pas en tout. Alors, quelles seraient les possibilités? C'est une question qui est très ouverte. Puis allez-y. Puis la façon que je l'ai faite ici en maternelle, c'est que j'avais photocopié des petits t-shirts, puis j'avais des copies bleues, des copies blancs, puis l'enfant le faisait en manipulatif, il le mettait avec eux autres. J'en prends 5, j'en mets 2, j'en ai 7, j'en ai 5 bleus, 2 blancs. Oui, ça marche. Peux-tu m'écrire une phrase mathématique? Ici, les enfants l'ont... Voyez-vous ici, ça vient d'un livre en anglais que j'ai, Beyond Expectation, c'est au-delà des attentes. L'enfant m'a fait une liste organisée pour tout me montrer. L'enfant ici me l'a fait. Ici, l'enfant a dessiné tous des t-shirts, mais d'une couleur. Puis ici, il en a dessiné 6. Ici, au moins, il en a fait 7, mais toutes la même couleur. Ici, il a juste dessiné des t-shirts. Alors, voyez-vous le rendement? Le rendement n'est pas le même. La même question, ouverte, puis là, les enfants sont capables de le faire. Alors, ce sont des exemples de rendement. Ça vient d'un livre. Je vais vous montrer la ressource. OK. Peut-être que je l'ai mis à la fin. Alors, avez-vous des questions ici comme ça? Une question comme ça ici, là, ça serait facile à faire la même question, un même genre de question. J'ai des blocs différents, puis on joue avec. On fait simplement de jouer avec. Question? Commentaire? Oui, mais j'ajoute les accents. C'est mon nom, OK. Stratégie pour comprendre le problème. Quelle est l'information donnée? Que dois-tu trouver? La question nécessite-t-elle une réponse exacte ou approximative? Ça ici, je l'ai mis parce que c'est un atelier que j'ai commencé. Je l'avais fait pour les 3-4. Alors, on s'entend que les résolutions de problèmes sont plus profondes, plus difficiles. Mais interpréter les images telles que les photos, les diagrammes, distinguer les renseignements importants de ceux qui ne le sont pas. Si je dis, j'ai 3 blocs, 2 bananes, puis 4 pommes. J'ai combien de fruits? Les renseignements que je n'ai pas besoin, c'est les blocs. On peut juste le faire à l'oral ou au dessin avec eux autres, juste pour leur montrer. OK? Bonne question. Ça vient de l'enseignement des différenciés des mathématiques par Marianne Small. Pourquoi les questions ouvertes? Exposer la pensée de l'élève pour savoir quoi faire ensuite. Donner aux élèves le sentiment que leurs contributions font réellement une différence. Tout le monde peut participer, puis enrichir et élargir l'apprentissage de chacun. Ça vient de Marianne Small. Question ouverte. Quelle forme géométrique voyez-vous dans la classe? Tâche parallèle. Ça, c'est une question, puis c'est ouvert dans le sens qu'il va y avoir plusieurs réponses. Les tâches parallèles, 2 questions différentes à des niveaux différents, mais liées en termes de grandes idées à laquelle elles se rapportent et dans leur contexte. Voir la diapositive suivante. Exemple. Avec un partenaire, on compose une phrase qui contient, ça c'est une question ouverte, qui contient les 4 nombres et les mots ci-dessus, 3 plus 5 et. Qu'est-ce qu'on peut créer comme question? 3 et 5 sont tous deux plus grands que 2. 5 est plus grand que 3, 2 est plus grand que 1. On s'entend que c'est peut-être difficile pour la maternelle, mais on pourrait juste, on commence avec des exemples. Si on le ferait avec eux autres, tout le monde ensemble, c'est à force de le voir qu'ils vont le comprendre. C'est là qu'on peut continuer l'idée. Tâche parallèle, ça c'est la valeur numérique d'une mesure, varie en fonction d'une unité de mesure utilisée, voire curriculum. Tâche 1, trouve 5 objets dans la classe qui mesurent plus que toi, mais moins que ton prof. Tâche 2,
trouve 5 objets dans la classe qui sont plus courts que ton crayon. Alors là, il y aurait juste le crayon, puis c'est plus facile à aller voir, ils ont juste le crayon. C'est une comparaison directe qui est plus facile que sa grandeur à lui, voyez, et la grandeur du prof. Alors, c'est la même grande idée, je compare direct, mais il y en a un qui est plus facile que l'autre. Alors, c'est ça les tâches parallèles, c'est le même rase, mêmes attentes, mais il y en a une qui est un peu plus difficile que l'autre. Et la réponse est, vous pouvez fournir une réponse, par exemple, le nombre est 10 et demander aux élèves de créer des questions avec cette réponse. On l'a vu avec le 5. La diversité des réponses est intéressante et informative. Ma réponse est 10, quelle est la question? Ou quelle est la phrase? Combien de doigts dans les deux mains? Combien d'orteils dans mes souliers? Alors, il faut combien de blocs? Ou les bases, les blocs, pas les blocs, on appelle ça le 10 frame. Vous savez ce que je veux dire là, quand il y en a 10? C'est une grille de 10. Merci. Des fois, j'oublie les mots parce que je travaille beaucoup en anglais. Grille de 10. Une grille de 10. Alors, la réponse, l'enfant qui est plus... si on veut faire une tâche parallèle, la réponse est 10, il y en a un autre, la réponse est 15. L'enfant qui est déjà très fluent jusqu'à 10, on peut l'avancer un petit peu plus loin. OK, ici, exemple d'idée par niveau. Les exemples suivants sont des extraits de ces deux livres-là parce que je veux exactement vous montrer où je prends mes livres. Ça, je l'ai montré, je pense, activité ouverte en mathématiques. Non. Je vais aller fermer ça ici. Copie. Et puis, bonne question. Celui-là, Marianne Small. Les deux sont excellents. Mais avant de le payer de votre poche, je demanderai à l'administration de l'acheter parce que ça servirait à tous les niveaux maternels à 6e année. Ça pourrait aller dans la banque, ça pourrait aller dans la bibliothèque professionnelle de votre école. OK. Là, avant le reste, ce sont des idées, des exemples de nombres que j'ai, des exemples dans les idées organisatrices, dans toutes les idées organisatrices du programme. Il est déjà 2h11. Voulez-vous qu'on prenne une petite pause, puis qu'on revient, on se prend une pause de 15 minutes, puis on revient. Parce que là, la première section, c'était surtout pourquoi la résolution de problèmes, c'est quoi les tâches parallèles, c'est quoi des bonnes questions, c'est quoi l'évaluation. Puis là, c'est des exemples que j'ai tiré de livres et de l'Internet sur quoi des idées, quoi faire en salle de classe. Alors, on revient à 2h30. On prend une pause. On revient à 2h30. Je vais aller me chercher un peu d'eau. Puis, si vous avez des questions, préparez-les. Je suis toujours sur ton... Pouvez-vous trouver des questions déjà faites pour chacun des mois faits par maternelle, Madame Andrea? Geneviève, sur ton tableau... C'est quoi tu as écrit, Geneviève, sur TPT? Teacher, pay teacher. Oh, OK. Ça, c'est bon pour la maternelle? Oui. OK. Moi, je n'ai pas le droit de le... Quand c'est teacher, pay teacher, je n'ai pas le droit de le montrer, mais je suis contente que tu le dises. Il y a de très bons exemples là-dessus. Tant mieux. C'est pour ça qu'on partage nos ressources. Alors, je ferme l'enregistrement et je reviens à 2h30. Fait que tu travailles autant la motricité fine parce que tant qu'ils s'en rendent compte... Fait que, ils sont capables de le faire en maternelle. Donc, il y en a qui ont peut-être besoin plus de révision comment le faire, mais ouais. C'était toujours de même qu'en première et deuxième. Là, je faisais l'anglais avec eux, même chose. Il y en a... N'importe quelle année, si jamais, ils n'ont jamais mis de feuilles dans les duotangs, ça va être un petit peu difficile. Ben, à date, là, c'est comme quand on a des choses à mettre dans un duotang, ça prend toute la période de 40 minutes pour au moins faire ça que c'est bien fait. Mais c'est ça. Je te dis pas que je leur ai montré, je le fais avec eux, je m'assois au tapis, je leur montre, puis après ça, je revérifie en arrière. Ouais. On le fait ensemble, ouais. C'est ça. Puis après ça, je revérifie, mais je te dirais qu'il y en a qui vont le mettre à l'envers, tu sais, ils vont mettre. Mais au moins, la feuille, elle ne traîne pas, elle n'est pas lousse, elle ne se promène pas partout. Fait que tu sais, est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce qu'ils l'ont mis dedans? Oui. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis la première fois, ça peut prendre 30 minutes, 40 minutes, la deuxième fois 30, puis à un moment donné, ça va peut-être prendre juste 10 minutes. On s'entend là que
Là, quand on commence à écrire sur du papier ligné, il y en a qui ne commencent pas sa ligne, à côté de la ligne rouge. Fait que, t'sais, l'orientation spatiale et tout ça, ça se développe. T'sais, toujours, puis toujours. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué, puis je l'ai lu aussi dans toutes les ressources que je lis, quand les enfants travaillent en mathématiques, là, souvent, on veut une copie, mais les enfants ont moins peur de faire des erreurs s'ils travaillent sur quelque chose qui est effaçable. Je ne parle pas de crayon efface. Je parle d'un tableau blanc. Moi, ce que je faisais beaucoup dans toutes les années où que je travaillais, quand je passais dans les écoles, au début de l'année, je m'achetais une boîte de des étuis en plastique, tu sais, qu'on met pour protéger des feuilles, là. Ah, puis ça va avec les anneaux. Puis je changeais mes feuilles maîtres, dépendamment si j'avais des feuilles modèles pour si je travaillais unité, dizaine, centaine ou peu importe quoi. Je changeais mon modèle à l'intérieur, mais les enfants avaient moins peur de faire des erreurs. Puis souvent, ce que tu fais, quand ils l'ont fait avec leur crayon feutre, puis ils peuvent l'effacer et tout, je prenais une photo avec mon téléphone. Je prends juste une photo puis je le mettais là-dedans. Alors ça ici, les étuis en plastique, pour mettre les choses, pour mettre le travail à l'intérieur, les enfants ont moins peur de faire. Puis, vous n'avez pas besoin de tout. Le journal de mathématiques est excellent pour voir l'évolution des enfants. Mais un coup qu'ils l'ont fait, la photo peut être tout aussi bien, puis vous le mettez dans votre... la façon dont vous gardez vos notes à l'ordinateur. Alors, ça serait deux façons de garder leurs travaux pour voir les enfants. OK, alors, rebonjour tout le monde. Deuxième partie de la session, idée organisatrice, le nombre. C'est là que c'est un gabarit, c'est plein d'exemples sur les nombres. OK. Qu'est-ce qui rend le nombre 5 spécial? Question ouverte. Enfant de maternelle, vous avez la chance de travailler avec eux autres. Qu'est-ce que vous pensez qu'un enfant à ce temps-ci de l'année pourrait dire là-dessus? C'est le mon âge. Il est mon âge. OK. Merci. Il a un dos, une bédaine et un chapeau. Ah, un dos pour le ouvert, une bédaine puis un chapeau plat, un béret. OK? Dans mon soulier, j'ai 5 orteils. C'est la moitié de 10. Alors, puis c'est là qu'ils peuvent le faire. Qu'est-ce qui rend un nombre 5 spécial? Ou on pourrait dire aussi représenter le nombre 5, c'est là que ça pourrait aller dans le petit journal, représenté de toutes sortes de façons possibles, 5 points. Le dé, quand on fait quand on lance un 5 sur un dé, c'est très facile à subitiser, les 5. Les tally marks, le 5 sous, une main, toute façon de représenter le 5. Alors, le nombre du jour, une façon de le représenter, puis ils peuvent écrire une question, ils peuvent écrire, c'est 5 moins 3, c'est 1, c'est 4 plus 1. Toutes les façons de le faire, puis des fois, il y en a qui vont juste écrire une chose dans leur petit journal, puis il y en a qui vont le faire beaucoup. Alors, le nombre du jour, ce qu'elle a le fun à faire, puis on prend les réponses du groupe sur une grande feuille, puis on les montre. Puis ça, la feuille devient un modèle dans la classe, fait qu'ils prennent un modèle de plus à représenter. Puis ça, ici, j'en ai parlé, là, observe choisis deux des chiffres ci-dessous, observe leur apparence, quelles sont leurs ressemblances, quelles sont leurs différences oralement. Parce qu'on parle aux francophones, il faut leur faire parler, ce n'est pas parce qu'ils sont francophones. Aux francophones, ils sont parfaitement bilingues. C'est ce que j'ai eu l'impression chaque fois que je travaille avec des profs. Les enfants ne maîtrisent pas nécessairement parfaitement la langue française. OK. Tâche parallèle. C'est ça ici, représenter le nombre. J'ai pris un exemple de l'Internet. Choisis un nombre entre 1 et 5, représente ce nombre de plusieurs façons possibles. Là, j'ai pris 1 et 10. Alors, des cercles, des taillis, les mains, le chiffre, écrire en lettres, le cadre de 10. Choisis un nombre entre 5 et 10. Alors, ça, c'est la tâche parallèle. C'est juste pour vous montrer, je me répète, là, mais c'est pour vous montrer des idées. Faire un retour en grand groupe et illustrer les exemples des élèves. C'est une excellente façon de modeler la représentation des nombres. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pensé. Ils vont dire, je peux utiliser le dé pour un 6. Mettons, mon nombre du jour, c'est le 6. Un 5 et un 1. Je peux utiliser le dé, je peux utiliser plein de choses pour leur montrer. Puis c'est à force de le voir qu'ils vont le voir. Ici, là, je suis allée chercher, j'ai essayé, quand je fais des présentations, d'avoir autant d'exemples, d'avoir des exemples, des perspectives des Premières Nations, Métis et Inuit, parce que c'est votre tâche, vous devez tout couvrir ça dans le curriculum aussi. Ça ici, ressources tirées du nouveau Learn Alberta. Je l'ai trouvé, j'espère que ça va l'ouvrir.
Je suis allée directement dans le curriculum. Ici, est-ce que vous avez accès au nouveau Learn Alberta? Si vous êtes enseignant, vous avez votre brevet d'enseignement. Alors, pour pouvoir rentrer dedans, vous avez juste pour pouvoir ouvrir un compte et garder vos choses, il faut juste vous enregistrer. Ici, c'est un petit livret, jouons au Wald. Puis ça explique exactement, c'est un guide d'enseignement. C'était pour la maternelle, ça dit c'est quoi la maternelle première année. Puis ça va voir le RAS du curriculum. Puis, ce que j'ai aimé de ça ici, concept mathématique, compter et comparer jusqu'à 10, composer et décomposer jusqu'à 10, ça va aller chercher votre concept mathématique, élargir à grand groupe. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que ça vous donne un exemple quoi faire. Ça, c'est le guide de l'enseignement, quoi faire avec. Vous travaillez avec un groupe, vous leur présentez le petit jeu. Jouons au Wild, puis je pense que l'autre ici... Quand j'ai joué sur le site, il y a des fois où on peut avoir le livre complètement en grand, puis on le met sur le tableau blanc interactif et on peut le lire. Alors, combien, compter pour savoir il y a combien d'objets. Puis là, on pourrait, grand-père, à quel jeu as-tu joué quand tu étais petit? Puis ça, c'est là qu'il va expliquer qu'il jouait au Wald. Je ne sais pas c'est quoi les Wald, mais on voit composer, décomposer jusqu'à 10, puis là, on peut leur poser des questions. Alors, il y a d'excellentes ressources sur le nouveau Learn Alberta, surtout les petits livres de méthodologie. C'est là que j'ai essayé d'aller chercher plein de ressources parce que c'est facile, c'est à la portée des doigts, puis c'est pour vous autres. Alors, quand on dit pour le concept méthodologie, c'est le même avec personne, oui. Oui, mais vous avez accès sur le nouveau Learn Alberta. OK, je retourne où j'étais, copie. Et je déwalt. Ici, les enfants examinent la quantité jusqu'à 10 en canot sur la rivière. J'en ai pris un autre. En canot sur la rivière, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est un autre livre. Ici, on va parler de compter, comparer, ordonner jusqu'à 20. Ça, c'est jusqu'en maternelle, jusqu'à 20. En première année, c'est-à-dire. Puis là, vous pouvez lire. Alors, on regarde les images. Il y a combien d'enfants? Combien d'oreilles? Avez-vous des questions, là c'est là qu'on pourrait dire, avez-vous des questions à poser? Quelles questions mathématiques qu'on pourrait poser en regardant cette image-là? On les fait parler, combien de canaux, combien de pieds, puis ils peuvent juste s'amuser avec la langue, s'amuser avec l'image à trouver des questions mathématiques. Alors, tout ça ici, vous avez, là, quand je dis que c'est jusqu'à 20, moi j'ai toujours dit on peut prendre pas mal n'importe quelle ressource, en autant qu'on sache nos RAS. On sait qu'en première année, c'est de compter jusqu'à 10. Alors, moi, je vais dire, OK, j'ai combien de castors? J'en ai deux d'un côté de la rivière, trois de l'autre. Ça fait 5 en tout. Alors, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à 20. On peut prendre la même ressource, mais l'adapter à votre niveau de maternelle. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des belles ressources là-dessus. OK, je retourne ici. Canot sur la rivière. Question? Okay. Des problèmes pour chercher. Ça, j'ai trouvé ça sur l'Internet aussi, puis je vais vous montrer la ressource à l'ensuite. Une boîte à œufs. Moi, j'ai 10 alvéoles parce que je l'ai adaptée pour la maternelle et non 12. Et des jetons rouges et bleus. Question. Remplir la boîte. Un jeton dans chacune des alvéoles. Il doit y avoir deux jetons rouges de plus que de jetons bleus. Allez-y. Ça, c'est une résolution de problème. Ça, là-dessus, c'est plus facile pour les enfants de jouer avec ça que l'écrire puis le dessiner. Puis ça serait à vous autres à prendre une photo puis le mettre dans leur dossier numérique. Alors ça ici, on regarde une réponse comme ça. Tu as des enfants qui tâches parallèles, je fais la même chose, mais j'irai jusqu'à 5 pour les enfants qui sont trop faibles. Puis les enfants qui sont plus forts, 10. Puis, on peut aller plus loin que 10, mais le curriculum demande jusqu'à 10 en maternelle. Différenciation, utiliser des boîtes à 5 ou 12 alvéoles. Ensuite, ressources et autres exemples. Voir les pages, OK, ça ici. Les ressources et autres exemples. Et voir les pages, je les ai-tu écrites?
Okay, je vais retourner parce que je ne veux pas tout vous montrer. Le document, il est trop long. Mais je vais juste noter les pages. Juste ici pour qu'on... 15. Ça vient de la France. Je fais toujours attention quand j'ai des documents qui viennent de la France parce que leur curriculum n'est vraiment pas pareil avec le nôtre. Puis le vocabulaire, parfois, est très différent. Alors, je dois vraiment sélectionner ce que je montre. Alors, j'ai regardé à travers le document, j'ai vu des questions. Puis vous pourriez, si quelqu'un veut le noter ici, je vais le noter ici, page. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre ici là, dans le chat les pages que j'ai mises ici? Puis moi, je vais mettre la ressource. 15-27. Est-ce que quelqu'un pourrait... Est-ce que vous voyez les pages que je veux montrer? Oui, on peut les voir. Okay. Okay, je vais aller chercher page 15. Je n'ai pas pu tout prendre. Hein. Je me suis arrêtée à 34, Isabelle. Pardon? Je me suis arrêtée à 34 en prenant les pages pour toi. Hein. Je vais les écrire. Tiens, je vais juste les écrire. Je vais les écrire après. OK, page 15, ici. Ça, c'est 15 là. OK. On propose un début de réalisation à l'enfant. Il doit trouver comment ça marche et poursuivre. Suivre une suite logique. C'est pas la page 15 que j'avais choisie. Celle-là que j'avais choisie. OK. L'enfant, page 15, c'est ensuite. L'enfant doit s'engager dans une procédure de déduction à partir des informations à sa disposition. J'ai caché une pièce semblable à l'une de celles-ci. Laquelle? Alors, moi, là-dessus, ce que je fais, comme une chose que je faisais avec les enfants, je pourrais montrer cette image-là. Je dis, OK, j'ai choisi une pièce dans ma tête. J'ai choisi une pièce. Puis, vous devez me poser des questions que je peux seulement répondre oui ou non, puis vous essayez de deviner quelle est la pièce que j'ai choisie. OK, j'ai choisi une pièce. Posez-moi des questions. Je vais poser à haute voix. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est bleue? Non. Alors, moi, je dis aux enfants, si elle n'est pas bleue, là, je vais aller prendre mon crayon. OK. Alors, je vais barrer bleu, c'est pas bleu. OK. Avez-vous une autre question? J'ai choisi seulement une pièce. Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un carré? Non. Alors, lequel que je peux barrer? Parce qu'on parle à des enfants. Là. Je modèle une classe maternelle. Non, ce n'est pas un carré. Est-ce que je peux barrer certaines pièces? Lesquelles? Oui, le carré rouge et le carré jaune. Et le carré jaune. OK. Une autre question. Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est rouge? Non. Qu'est-ce que je peux barrer? C'est le cercle jaune! Alors, ce qu'on fait ici, c'est que c'est juste un jeu. Puis ça, les enfants adorent ça. Puis ça, c'était des jeux que je faisais. Tu sais, des fois, là, 5 minutes avant la cloche, 5 minutes avant de partir, on est un petit peu trop d'avance, puis il faut les garder calmes. Des fois, je pouvais dire, OK, j'ai choisi un nombre dans ma tête entre 1 et 10 au tableau. Allez-y. Puis j'écris, est-ce que c'est plus grand que 3? Oui. Fait que je dis, OK, qu'est-ce qu'on peut éliminer? 1, 0, 1, 2. C'est toutes des questions comme ça qu'on peut faire avec les autres clients. OK. On efface ça ici. Allez-y. OK. Puis là, j'avais dit page 27. OK. 27. C'est des exemples que je pense que vous pourriez facilement faire en salle de maternelle. OK. Ça, c'est l'importance des blocs structurés. Celui-ci, les blocs logiques, excellent quand on parle d'attributs. Vous allez le voir plus loin. Vous avez peut-être ça en maternelle. Il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs couleurs. Alors, les attributs, c'est la forme, la couleur, l'épaisseur, puis la grandeur, grand, petit, épais, mince, forme, couleur. Puis on pourrait dire, OK, je commence avec un gros triangle épais bleu. Trouve un autre forme qui a juste un attribut de différent. Gros triangle épais rouge. Gros triangle mince bleu. Alors, ils doivent garder tous les attributs. Puis je le montre comme ça, mais j'ai une feuille d'attributs pour vous montrer. Alors, ça ici, page 27. Je m'excuse pour le bruit. Quand on a du monde qui vient travailler, c'est comme ça. Repérer l'intrus. Quel est l'intrus ici? Pourquoi? Celui-là.
Ça va être le rouge parce qu'il est plus grand que les autres. Ici, oh, quel est l'intrus dans celui-ci? Ça saute pas à l'œil, mais je l'ai vu. OK. Deuxième image, quel serait l'intrus? Le vert. Pourquoi? Parce que le bas est rond. Parce que le bas, la base n'est pas la même base que les autres. C'est plus une base ronde ou une base. Puis là, qu'on pourrait parler de forme. Retrouver l'élément manquant. Là, c'est juste des idées que j'ai prises, mais vous voyez qu'en le faisant comme ça ici, c'est facile d'aller voir le matériel que vous avez en salle de classe. Quel est l'élément manquant entre celui-ci? Le cercle jaune. Le cercle jaune est manquant. Alors, on peut vraiment développer le curriculum. Ici, ça serait plus difficile. Des fois, je ne le vois même pas en sortant, mais si on montre ça aux enfants et on leur donne du matériel, ils pourraient l'organiser pour essayer de trouver qu'est-ce qui manque. Puis le but, c'est de les faire manipuler, les faire observer. C'est juste l'élément manquant. Alors, ils sont en train de penser forme, couleur. Ici, je n'ai pas l'épaisseur, je n'ai pas la grosseur, j'ai juste la forme et la couleur. OK, j'avais ça, c'était la page 27. J'avais 28. Le jeu du portrait, le clown et le tambour sont-ils de la même couleur? Le clown et le tambour, jeu de différence où? Puis ça ici, moi, je ne veux pas trop passer du temps là-dessus parce que ce matériel-là, je ne l'ai jamais vu en salle de classe. Il est le fun, ça serait super le fun, mais moi ici, je vais parler à Calgary, je ne l'ai jamais vu pour faire la différence. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trop passer de temps. 32. Oui, 32. Ah, ça, tu peux le faire. Des disques de trois couleurs, des disques de trois tailles et de trois couleurs. Okay? Rechercher tous les empilements, grand, petit, disque moyen, nombre de disques, nombre de couleurs. Alors, ça, ils doivent essayer. Puis, il y en a qui vont le faire. C'est là que vous allez voir entre un rendement au-delà des espérants, au-delà des attentes. Il y en a qui vont le faire de façon très méthodique. Ils vont faire un grand vert, un moyen vert, un petit vert, un grand vert, un moyen. Ils vont tout le faire comme il faut, par élimination et par ordre. Il y en a qui vont le faire au hasard. On pourrait dire de toujours avoir trois couleurs différentes. Alors, moi, je pourrais juste le faire aussi, juste le refaire avec deux couleurs pour que ce soit un petit peu moins difficile. C'est juste des idées. C'est ça, c'est ça, des situations de résolution de problèmes. Il n'y a pas de réponse précise. C'est ouvert, puis il y a une logique, puis il y a une suite à faire. Page 33. Même chose avec des carrés. Ça ici, les carrés, ça serait super facile à faire. Vous découpez des carrés de couleurs, puis vous leur faites faire. Alors, recherchez toutes les associations possibles, petits et grands, de deux carrés. Puis, leur montrer comment ils trouvent les réponses. 34. 34, je n'aime pas. 34 est plus difficile. OK, 41, c'est ici. Ah, c'est ça, j'en ai parlé au début, cuisinaire. Puis ici, on pourrait juste prendre des blocs comme ça ici, prendre des blocs cuisinaire, puis faire remplir le train. Puis c'est très, très, très tactile. Mais OK, si je mets un 3 ici, il faut que je mette un 3 là, il faut que je mette un 4, je mets un 2. Puis il faut vraiment qu'ils jouent à remplir tout ça ici. Puis ils les font, on leur fait compter. Sans savoir les réglettes cuisinaires, le but de ça, ce n'est pas d'avoir le nombre dessus, de ne pas identifier que le jaune, c'est 5. C'est juste qu'on sait que le jaune est plus grand. Un jaune, c'est un rose avec un blanc. C'est juste aller, ils sont en train de commencer les faits de base dans leur tête. Ça ici, ça serait facile. Vous pouvez photocopier ça si vous voulez. Je n'ai pas le matériel en tant que tel, mais c'est des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, j'avais ça, c'était la page 41, 42. Un centre, avoir quatre ensembles, puis faire des ensembles différents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire trois ensembles différents. Qu'est-ce qui est différent? Les couleurs, il y a peut-être trop de variables ici. Peut-être qu'on pourrait juste faire des assiettes rouges, les assiettes avec des fourchettes. Il y a trop de variables pour un enfant de maternelle, mais c'est juste pour les amuser à faire des ensembles d'assiettes différents. Et 43. Non, 43, c'est pas là. OK. Je retourne ici. Ça, c'était autre exemple pour ça ici. Ensuite, introduction à noter ses réponses.
Ça ici, j'ai trouvé ça dans un livre en anglais, mais j'ai trouvé que ça serait super intéressant à faire en maternelle. On prend des tuiles de couleurs, à peu près trois couleurs, puis on prend des sacs à linge, des sacs bruns qu'on ne voit pas à l'intérieur, puis on met jusqu'à 10 tuiles. L'enfant qui est très plus faible, tâche parallèle. Excusez-moi, je vais aller fermer la porte. Do you have a lot to do? No. Three more lines, about 10 minutes. Okay. Thanks. Excusez-moi. Okay. On pourrait mettre tâches parallèles. Des enfants qui sont plus faibles, on met seulement 5 tuiles de 3 couleurs différentes. Les enfants que vous voulez aller jusqu'à 10, on met 10 tuiles de 3 couleurs différentes. Un sac par groupe de 2 élèves. La tâche consiste à travailler avec un partenaire et à noter sur votre feuille de papier exactement ce qui se trouve dans votre sac. Vous pouvez utiliser des images, des mots, des chiffres, tout ce qui a un sens pour vous deux, afin que quelqu'un puisse dire, à partir de votre papier, ce que vous avez dans votre sac. Ça ne rentre pas nécessairement, ça peut aller dans les nombres, décomposés jusqu'à 10, mais c'est comment écrire les réponses. C'est très, très important pour la maternelle, juste écrire les réponses. Veux-tu le faire avec des mots? 3 rouges, 3, peu importe quoi. Alors, pour pouvoir représenter leurs réponses avec des dessins, ça serait une belle façon de commencer à leur montrer comment organiser vos réponses en résolution de problèmes. J'ai créé une boîte de matériel, chacun des élèves, des oursons en boîte, petit A. Parfait. Merci Geneviève de partager. C'est excellent parce qu'un coup, qu'ils ont déjà une boîte de matériel, c'est moins difficile, ça sauve du temps quand on commence à sortir votre matériel, à tout partager, tout le monde ensemble. Ils sortent déjà leur petit sac Ziploc, leur petite boîte de matériel. Puis, dans l'exemple que j'ai montré plus haut, je pense que c'était l'exemple des les outils, là, ça venait du Manitoba. Celui-là est du gouvernement Manitoba. Il y a des exemples aussi, quoi mettre dans une boîte de matériel pour la maternelle ou la première année que vous pouvez laminer. Puis là-dessus, je me servirai de parent pour vous aider à organiser ça. Idée organisatrice, la géométrie. Les figures sont définies et reliées par des attributs géométriques. En tâche parallèle, quelle est la règle de triage? OK, page reproductive, voir les pages 20 à 26. Ouais, j'allais ouvrir ça. Ça vient du matériel que j'ai montré. J'ai pas les pages. 20 à 26. 17. OK, ça ici. OK. Il y a à peu près 20 à 26, il y a 6 pages. Vous n'avez pas besoin de faire tout. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Truc de prof pour vous aider à ramasser tout ça. Moi, j'ai fait des ensembles de différentes couleurs. Fait que quand on trouvait une pièce par terre, les jaunes allaient tous dans l'enveloppe des jaunes, les rouges allaient dans l'enveloppe des rouges et tout ça. Alors, vous choisissez autant de formes que vous voulez. Vous les donnez aux enfants. C'est les enfants qui sont encore tâches parallèles. Il y en a qui ont plus de formes, il y en a qui ont moins de formes. Puis vous trouvez on trie les figures avec une règle. Exemple. Moi, je pourrais mettre celui-là ici avec celui-là. Puis, quelle est la règle? Puis, on essaie de deviner la règle, mais il y a juste des lignes courbes. Tandis que lui, celui-ci et celui-ci, il y a une ligne courbe et une ligne droite. Alors, vous allez chercher autant de formes ou les formes que vous voulez. Au début, on pourrait juste travailler en maternelle. Si on va revoir les attributs, c'est vite comme ça, je ne m'en souviens pas, mais je peux aller le voir. On parle de géométrie. On parle de courbe, roule, glisse, droite. Décrire une figure en utilisant des mots tels que plate, courbée, droite ou ronde. Alors ça va avec géométrie, ça va avec le RAS maternel MG1. Les enfants examinent la forme, c'est là qu'ils pourraient trier. Vous pouvez mettre autant de formes que vous voulez. Fait que là, c'est droit, ça, c'est courbé. Ça va avec le vocabulaire qu'on veut. Puis soit que c'est les enfants qui le trient, ou vous pouvez faire un tableau, ligne courbée, ligne droite. Puis là, ils doivent mettre les pièces dans la bonne colonne. Okay, je retourne ici. Attribut ou propriété.
faire un train de forme avec seulement un attribut différent de chaque forme. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Puis, perte des attributs, vous allez le trouver ici. Ça, ça vient dans ressources mathématiques du site de l'Internet. Couleur, les attributs. Avec les, c'est un poster qui va avec la ressource, la boîte des formes géométriques. Il y a les formes, il y a les couleurs, l'épaisseur et la grandeur, grand et petit. Alors, c'est là qu'on dit choisis un attribut différent. Ils doivent te dire quel est l'attribut qui est différent. C'est là-dessus que je l'ai trouvé. OK, on va carte des attributs, ça va, ça va. Les enfants examinent la forme, l'atelier du tailleur, les objets perdus. Ça, on retourne. Alors, c'est trois ressources que j'ai trouvées dans Learn Alberta, l'atelier du tailleur. C'est un petit livre. OK. Puis, on regarde, quand on regarde ici, transformer et décrire des formes, décrire et comparer des formes. Puis, quand on lit, quelle est la forme que vous voyez ici? On lit le petit livre et il y a le guide d'enseignement, quoi faire avec le livre. Puis, il y a les images et le vocabulaire pour les enfants. OK, les objets perdus, c'est la même chose. C'est un autre livre, j'ai trouvé ça. J'ai toutes trouvé ces ressources-là qui sont pour vous en ligne, gratuites. Puis, notre équipement camping est disparu. Vous lisez le livre, vous leur posez des questions mathématiques en lisant le livre. Partager nos histoires, ça, c'est pour les personnes. Ça vient aussi sur Mathologie avec du matériel supplémentaire. Du matériel supplémentaire qu'il faut acheter. Non, c'est des exercices papier-crayon qu'on peut faire aussi pour. Quand tu es sur le site, quand vous êtes membre du site de Mathologie. Hein, alors, il faut que l'école ait acheté la licence. La licence, oui. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont? Oui, on en a la mosaïque pour la maternelle et première année. Est-ce que vous l'aimez? Oui, moi, je l'ai aussi. Est-ce que vous trouvez utile? Est-ce que vous l'aimez? Ah oui, beaucoup. Parce que je suis un dossier sur lequel je travaille, c'est d'avoir plusieurs ressources physiquement dans nos mains, là, puis faire une journée pour explorer les ressources. Puis parce que moi, Mathologie, parce qu'il est sur le site de l'Internet de Nouveau Lune Alberta, je l'adore. Fait que, alors, c'est d'autres ressources ici pour ceux qui ne le connaissent pas, que vous ne l'avez pas à l'école, mais au moins vous avez accès aux livres que vous pouvez lire sur un tableau blanc interactif et vous avez aussi accès au guide d'enseignement. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore dans votre école, partagez nos histoires. Encore une fois, c'est ça ici. Les suites. On s'est perlé. C'est un autre livre qui va avec Mathodologie. Alors, je pourrais le réouvrir à nouveau, là, mais vous avez une idée de ce que je veux dire. C'est d'aller voir le livre, le lire ensemble, puis trouver, regarder le guide d'enseignement pour qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça va avec, ça reflète les perspectives des Premières Nations, Métis et Inuit. Question ouverte. Encore ici, j'étais dans le domaine, pas dans le domaine, mais l'idée organisatrice des suites. Regarde autour de toi. Peux-tu trouver des suites dans la classe? Il y en a plein dans votre classe. Puis les enfants sont bons à le trouver. Vous avez sûrement des petits exemples. Vous avez sûrement des couleurs, les tuiles au plancher. Ils sont capables de le voir. Puis ça ici, j'ai tiré ce vocabulaire-là directement du curriculum. Des petites comptines. Il est midi qui te l'a dit. C'est la souris qui était dans la où est-elle dans la chapelle? Que fait-elle? C'est des actions, c'est des petites comptines à chanter, que le dernier mot rime. Des actions. OK, je sais les actions. Les sons. Alors, différents, puis ils doivent le répéter, les objets, les images. Puis ça, c'est de jouer avec. Jouer, 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 jouer avec. La mesure. Les enfants explorent la grandeur à l'aide de comparaisons directes. Ça, c'est un petit livre que j'ai sorti directement de Nouveau Lune, Alberta. Quand on parle de mesure aussi, quelque chose qu'on peut faire, j'ai fait ça dans des classes de maternelle 1-2. Préalablement, j'avais déjà préparé dans la classe, j'avais acheté une pelote de laine, j'avais de la laine à la maison. Si j'avais 22 enfants, j'ai coupé 22 ficelles de différentes grandeurs. Je donne une ficelle à tout le monde. Aller trouver quelque chose dans la classe qui mesure
presque la même grandeur que votre ficelle ou presque. Puis souvent, les enfants pensent qu'il s'est juste mesuré horizontalement, mais ils peuvent mesurer verticalement. Est-ce que c'est couché ou debout? Horizontal ou vertical? Puis là, je ne suis pas sûre, je n'ai pas vu le mot horizontal et vertical, mais on peut leur montrer couché, debout. Puis, explore la grandeur, alors juste avec une ficelle. Trouve des objets dans la classe qui ont la même grandeur que ta ficelle, puis ils partent. Puis c'est madame, 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 je crie pas mon nom, montre-moi, je regarde la ficelle, je compare. Puis vous allez voir, si l'enfant, il a juste une petite ficelle comme ça, puis il s'en va mesurer la porte, il a besoin d'exemples. Il faut savoir, ils ont déjà une idée combien ça peut mesurer. Ensuite, on peut dire, OK, faites des équipes de 5, parfait, avec votre ficelle, puis mettez-les du plus grand au plus petit. Puis là, courbez, comment ça se fait qu'ils peuvent dire, on peut leur montrer, mais moi, j'ai une grande, grande ficelle, mais je l'ai toute courbée, puis il y en a une à côté qui est plus petite, mais elle est droite, mais c'est la même longueur. Puis là, non, pourquoi? Puis là, on acte le problème qu'il faut l'étirer. Alors ça, c'est la grandeur, l'exemple que j'ai montré avec les plantes, la plante qui serait, les enfants l'adoraient, ils appelaient ça la plante magique. Le temps. OK. Les enfants interprètent le temps comme une suite d'événements. Pense à une... Oups. Une erreur. Il faut que je corrige ça ici. Pense à une activité qui dure plus longtemps que la récréation. Nomme des activités que tu as faites hier. Quelque chose que tu fais à chaque jour. Quelque chose que tu vas faire demain. Je suis juste allée voir dans le curriculum et j'ai sorti les mêmes termes du curriculum. Puis... juste pour leur donner une idée de temps, des fois, on pourrait dire, OK, malgré qu'on ne parle pas de seconde en tant que telle, on ne parle pas de temps conventionnel en maternelle. Je vais aller voir mon curriculum encore une fois. Une idée aussi, c'est quand on fait notre calendrier le matin, on peut parler de quelle journée on était hier, quelle journée on est aujourd'hui et quelle journée on sera demain. Oui, donc, exactement. De toujours parler de... C'est ça les mots importants. On ne parle pas de temps de seconde tant que tel. Mais en autant qu'ils sachent que la maternelle, la récréation est plus courte que l'heure du dîner. Ma game d'hockey est plus longue que... Et moins... je ne sais pas moi. Ça me prend plus de temps à jouer une partie d'hockey que la randonnée en autobus pour me rendre à l'école. Faire des comparaisons comme ça de temps. OK. J'écris. Décris trois événements de durée différente. Comment le sais-tu? Alors, c'est deuxième année. Ça fait que j'ai sauté ça ici. Je vais fermer. Je vais aller chercher. Là, ça ne devrait pas être sur la deuxième année. J'ai trop de choses ouvertes. Ici. Donc, quelques secondes pour aller le chercher. J'ai dû ouvrir autre chose. Désolée, copie de la maternelle. Et là, voyez-vous, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? On voit tout le monde, on ne voit pas ton écran. D'accord. C'est terrible, quand je m'en ai fatiguée, je fais plein d'erreurs. Bizarre. Avez-vous des questions à me poser pendant que je... Là, vous devez voir, OK? On va aller retourner où j'étais ici. La mesure, on a fait le temps, les suites, la mesure. OK. Ici, je vais vous montrer aussi splat. Je ne sais pas si vous connaissez le splat. Le splat ici, ça serait leur montrer. Puis là, vous choisissez les nombres. Ça va jusqu'à très haut, ça va avec la multiplication, la division, mais les fractions, mais nous autres, on va juste faire jusqu'à 10. Je vois deux points, il y en a combien de cachés en dessous? Parce que je dois avoir 5. Alors ça ici, ce sont des documents qui est gratuit à l'Internet. Ça vient de Google Slides.
me souviens plus du type qui fait ça, là, mais j'aime beaucoup. Comme ici, ça va jusqu'à 19, jusqu'à 20. On peut, là, mais moi, je choisirais simplement les noms que vous voulez voir. Estimation clipboard. Steve Warby. OK. Lequel qui en a beaucoup? Tu penses qu'il y en a à peu près combien? Puis moi, ici, ce que je ferais, juste une idée, quand on parle d'estimation, c'est quelque chose que, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais beaucoup de misère à enseigner parce que premièrement, parce que j'étais trop nouvelle puis je ne comprenais pas vraiment l'estimation, il faut croire. Mais quand on parle d'estimation, il y en a combien ici? 1 million, ils te lancent des nombres épouvantables. Alors, on a besoin d'un référent. Si on prend une tasse transparente, puis je mets 8 blocs, puis on voit qu'il y en a 8, puis là, je mets la même grandeur de tasse à côté, puis je mets moins de blocs. Tu penses qu'il y en a combien? S'il y en a 8 ici, dans celui-là, est-ce qu'il va en avoir plus que 8 ou moins que 8? Fait qu'ils peuvent faire une comparaison éduquée, en fin de compte. Ça, c'est splat. Puis je pense que j'arrive pas mal à la fin. Je vais voir ici, maternelle. Ça, c'est ressources. Je dirais, c'est financière. Copie maternelle. OK. Alors, ça doit être... Je vais l'enlever. J'arrive à la fin. Ce que j'ai ici, ressources pour résolution de problème. Voyez-vous ici, ressources pour résolution de problème? Oui. D'accord. Je veux juste vous parler parce que je sais que souvent des profs, on enseigne à différents niveaux, mais là, je sais que je parle à maternelle, à des profs de maternelle. L'Université de Waterloo, ce n'est pas pour vous. Ça commence en deuxième, fin deuxième, troisième année à mon temps. YouCube, il y a d'excellentes informations. La façon de formuler là-dedans, ça serait task. Il faudrait, ici, quand on parle, vous allez à maternelle, vous allez devoir choisir vos tâches. Visual, mathématiques, number sense, OK. Je vais aller dans number sense, puis je vais aller dans le niveau. Joe Bowler, what is a number sense? Alors, on peut aller juste voir, c'est juste des fois des idées. C'est très difficile, par contre, il n'y a pas beaucoup de choses pour la maternelle, mais il y a quand même de bonnes idées, tasks. J'allais voir tasks. Math and art, c'est des fois, c'est là que j'allais me chercher du matériel pour faire avec eux autres. OK, je vais aller voir, je vais faire maternelle, je vais faire mesure. Tiens. Bon, il n'y a rien. Je vais faire maternelle, tout. OK. 1, 2, 3, pocket game. Ça, c'est le pocket game, c'est le fun. Souvent, c'est tout en anglais, mais souvent, tout ce qu'on a besoin, c'est juste l'instruction que vous pouvez lire et vous le comprendre. Puis, si on fait un jeu aujourd'hui, on compte, les enfants arrivent, ils disent, il y a combien de poches sur vos vêtements? Dans tous les élèves de la classe, incluant le prof. Fait que là, ils peuvent sortir pour chaque fois qu'ils trouvent une poche. Comme moi, j'ai 1, 2, 3, 4 poches sur moi. Je mets 4 blocs sur mon pupitre. Puis tout le monde, on fait ça. OK, là, on a tous les blocs. Oh, mais je ne peux pas compter ça. C'est bien trop difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, on pourrait aller chercher les cadres à base 10. Puis on met un bloc pour remplir chaque carré des cadres à base 10. Puis là, le prof pourrait calculer. Bon, ça fait 10, 20, 30. L'idée, ce n'est pas qu'ils soient capables d'additionner eux-mêmes. C'est l'idée, c'est d'être capable de dire comment on peut faire pour tout compter ça ensemble. J'ai déjà fait cette activité-là, c'était avant COVID. Donc, quand on avait le droit d'emporter de la nourriture et manger, y toucher, y manger et le partager. J'avais fait un gros bol de popcorn. C'était en première et deuxième année, c'était une classe combinée. Puis l'idée, c'était qu'on devait calculer tous les popcorn dans le bol. Fait que j'avais mis ça sur des tables, puis ils avaient des grilles de 10, ensuite ils ont fait, puis ils devaient essayer de calculer comment faire. Je n'avais pas besoin d'être capable d'additionner, mais vous devez me trouver une façon d'être capable de le calculer. Ils ont pris des grilles de 10, 10 grilles de 10, c'était un bloc, une plaquette de 100, puis on a calculé comme ça. Alors ça ici, le cube, ça donne... Mais là-dessus, ici, quand vous allez sur le YouCube, prenez le temps de lire. Je sais que vous prenez toujours le temps de lire, mais il y a des activités qui sont plus difficiles. C'est plus pour les enfants âgés, mais il y a des belles petites activités. OK, je retourne ici. Partager une demi, ça, c'est première année.
ça ne va pas pantoute avec votre maternelle. 180 estimations, ça serait troisième année en montant. La corde à linge peut être une activité qui est le fun à faire. La corde à linge, qu'est-ce que c'est? C'est que vous, c'est comme une introduction à la droite numérique. On prend une corde à linge qu'on peut faire la grandeur du tableau. Puis je mets un référent, je mets un 0, je mets le 10, puis je mets un 5 dans le milieu. Où mettrais-tu le 4? Où mettrais-tu le 2? Et pourquoi? Puis, il n'y a pas vraiment de ligne de démarcation. C'est juste pour dire, bon, ben, le 4, il est tout près du 5. Le 9, il est près du 10. Le 1, il est plus près du 0. Puis, essayer de les enligner comme ça. Puis, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir commencer à voir. On peut faire la longueur du tableau. Ensuite, on peut faire juste la longueur de leur bureau. On peut faire la longueur de la classe. Alors, le référent, le 5, change de place. Le 1 change de place. Quel est l'intrus? Ça, c'est juste des images. Which one doesn't belong? C'est en anglais. Mais il y a les images qu'on peut avoir en français. Là, je vais chercher où. OK. Which one doesn't belong? So ici. Submission. Comme ici. Shape. Le reste, c'est trop difficile. Si je prends juste, là, vous voyez le tableau ici, c'est which one doesn't belong? C'est en anglais, mais l'image est assez bonne ici. Je regarde le tableau 1, shape 1. Qu'est-ce qui n'appartient pas? Il y a plusieurs réponses ici, mais il faut qu'ils soient capables de l'expliquer. Beaucoup d'entre eux vont dire celui-là, madame, parce qu'il est gris, les autres sont blancs. OK. Celui-là, madame, parce qu'il y a, six côtés, les autres ont juste trois côtés. Celui-là, parce que le bout pointu ne peut pas se tenir debout. Alors, c'est juste regarder juste lequel n'appartient pas. Puis des fois, à force de le faire avec eux, ensuite, on peut leur demander à eux. Maintenant, je te donne un cadran avec quatre boîtes, un carré avec quatre cadrans. Essaie de, avec un partenaire, essaie de deviner, essaie de faire quel est l'intrus lequel n'appartient pas. Alors, c'est des idées de résolution de problèmes. Ensuite, activité pour maximiser les pédagogies efficaces. Oui, je peux mettre l'accent sur le bien-être. Baradage mathématique, vidéo pour le pourquoi de la causerie. Autre source. Ici, ce que j'ai mis, problématé. Encore une fois, il faut faire attention, ça vient de la France. Mais ce que j'ai mis de ça ici, c'était des idées. Il y avait des bonnes idées d'exemples. C'est problématé, c'est que, c'est un mot que je n'avais jamais vu, problématé, c'est qu'ils font un exemple, puis ils l'échangent avec une autre classe. L'autre classe trouve la solution, puis ils nous donnent un problème, puis on fait des problèmes comme ça ici. Ce que j'ai aimé, c'est comme reproduire, ça donnait des petits exemples, quelques exemples de problèmes. J'ai aimé celui-là ici. Quand on parle de la littératie financière qui commence en maternelle, les pièces, qu'est-ce je te donne 5 sous? Qu'est-ce que tu serais capable d'acheter? Trois choses, trois combinaisons différentes de ce que tu es capable d'acheter avec 5 pièces, 5 sous. Alors, puis nomme-le-moi. Alors, il y a des petites images. J'ai bien aimé celui-là ici. Vous leur donnez une feuille d'un rectangle. Puis je te dis, est-ce que tu peux former des triangles avec ça? Comment vont-ils le faire? Il faut juste qu'ils pensent, puis souvent, ils vont peut-être faire des erreurs. Prends une autre feuille. Puis tu vois ici, il y a des enfants qui ont fait les triangles comme ça, qui vont être capables de le découper. Alors, c'est juste travailler. Maternelle, c'est être capable de le tactile. C'est vraiment apprendre. Il y a moins de rase. Puis c'est vraiment aller à fond, puis jouer avec. Alors, dans celui-là, c'est pas tous adéquat. Celui-là, il était facile. C'est mon autobus. Combien que je peux mettre dedans? Si je mettais 2 personnes par banc, combien de personnes pourraient aller? Diviser la classe, compter la classe. Si je voulais compter la longueur de la classe, quelle unité de mesure que je pourrais utiliser? Si je prends ça, c'est un peu trop petit. Peut-être qu'ils vont dire votre soulier. Peut-être qu'ils vont dire la longueur d'un ami, des amis couchés tête à tête, mais tout sur la longueur, puis juste les amis. Alors, comment, si on voulait mesurer la classe, si on voulait mesurer le passage, quelle unité de mesure que je pourrais utiliser pour mesurer le passage? C'est certain que si je prends ça, ça va être trop long. Okay? Alors, c'est juste des idées ici, c'est d'autres idées, parce qu'on en a toujours besoin, c'est d'autres idées, comment, il appelle ça problématé. C'est un nouveau mot pour moi, problématé. Je retourne ici. Puis là, la parole est à vous. Avez-vous des questions, des commentaires?
j'ai essayé de vous donner le plus de ressources. Au début, vous me disiez des idées à partager. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi faire la résolution de problème? C'était surtout des idées. Vous vouliez des idées, des ressources. Je regarde aussi ce qu'on avait. On peut écrire. Simplifier la résolution de problèmes au niveau de la maternelle, c'était une de vos attentes. Des activités que je peux faire avec mes petits cocos. Manque de matériel, de vocabulaire. C'était les choses qui ont été notées dans la boîte de clavardage. Avez-vous des questions? Commentaires? J'espère que j'ai répondu à certaines de vos attentes. Je ne peux jamais répondre à toutes vos attentes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? La parole est à vous. Non, je vais changer ça. Posez-moi deux questions. C'est un truc aussi que j'ai lu. Puis ça va en salle de classe. Avez-vous des questions? Non? OK, posez-moi deux questions avant qu'on ferme. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste dire que c'est vraiment pratique. Oui. C'est quelque chose que demain, je peux refaire dans la classe. Est-ce qu'il y a une chose que tu as vue aujourd'hui que tu pourrais faire demain dans la classe? Oui, la longueur, par exemple. La longueur. Tout ce qu'on a fait par rapport à la longueur, là, ça m'a vraiment intéressée. Et puis, quoi d'autre? Comment vous avez appelé ça? Les trois points qu'on cache et puis on demande... on montre trois points et puis on demande combien de points on a cachés, là? Oh oui, oui. Le splat. Oui. La bande, la partie manquante. La partie manquante est excellente. Puis tout ce que je faisais avec eux autres, quand j'ai mes bandes déjà préparées, j'avais juste un petit sticky, puis je cachais un des carrés, soit le monde, soit le nombre, qui était la partie à gauche, soit le carré dans le milieu ou la carré à la fin. Puis je disais, j'ai 5, j'ai je ne sais pas combien, puis j'ai 3 ici. Qu'est-ce qui est caché en arrière? Puis me le montrait. Ah, ça, c'est la partie manquante. Oui, oui, la partie manquante. J'ai vraiment aimé. Merci, Oussina. Une autre question? Je ne peux pas fermer. Ça prenait deux questions ou deux commentaires. Ma question, c'est, bon, évidemment, je l'ai dit plusieurs fois déjà, je suis nouvelle là-dedans. Est-ce que tu penses que ce serait quand même une bonne idée de commencer ma modélisation en petit atelier, tout seul avec moi, tu sais, comme je mets mes autres élèves en atelier libre? Je m'occupe vraiment de petits groupes d'élèves pour modéliser parce que, je ne sais pas, on l'a dit en début de la présentation, c'est qu'on a des niveaux tellement différents cette année, puis je suis exactement à cette place-là, moi aussi, où est-ce que j'ai des élèves qui ont absolument zéro connaissance des nombres, qui ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas leurs chiffres, puis même de 0 à 5, que ce soit ni en français ni en anglais, puis ils ne sauraient pas dans leur langue natale non plus. Puis j'en ai d'autres qu'ils peuvent monter jusqu'à 20 facilement et qui font de l'addition puis de la soustraction de grands nombres. Là. Donc, on s'entend que j'ai vraiment des très grands écarts vis-à-vis de mes élèves. Fait que là où est-ce que je me questionne, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le fasse avec tout mon groupe parce que je vais perdre l'attention rapidement pareil. Puis ça devient chaotique rapidement aussi dans ma classe. Puis je me demandais si ce ne serait pas mieux de le faire en petits groupes, donc en atelier supervisé par l'enseignante avec ceux qui ont plus de besoins, puis mettre les autres sur d'autres ateliers. Tu sais, je ne sais pas. Bien, puis ton idée, c'était Émilie qui parlait? Oui. Ton idée est excellente parce que c'est certain que tu ne veux pas perdre. Si tu enseignes juste pour les enfants qui ont plus de défis, on perd le reste de la classe, puis ça devient ennuyant. Moi, si je faisais des petits groupes, comme ça, naturellement, tu y as pensé, tu ferais des petits groupes hétérogènes, des enfants au même niveau. Puis, j'irais voir, moi, ce que tu aurais besoin. Là, je vais vous montrer un matériel. C'est ça ici. Ça existe, ça vient de Pearson. Fait que ceux qui ont mathologie, peut-être que vous l'avez. Moi, je l'ai un en français. C'est la progression. Vous voyez ici, non? Non, on ne voit pas. On voit juste ton écran, là. Ah, OK, là, on le voit. OK, oui. Ça. La progression des apprentissages en mathématiques, c'est excellent parce que ça va par domaine ou par idée organisatrice. Puis tu peux voir l'enfant qui ne l'a pas encore acquis, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pour ceux ici, alors, comme je regarde, puis je n'ai pas le droit de prendre une photocopie, je ne peux pas le mettre en photocopie, là, mais si vous avez déjà une méthodologie, exemple,
Je parle de nombre, concept appliqué, compter, subdiviser, nous aide à quantifier, indicateur, est-ce qu'il est capable de faire correspondance un à un? Ça donne exactement les choses à faire un à un. Exemple, si j'ai cinq blocs, puis l'enfant commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'a pas compris qu'un bloc égale à un nombre, un bloc égale à l'autre nombre. Alors, ça te montre exactement comment aller. Il y aurait un autre pour ceux qui veulent faire des groupes hétérogènes et modéliser avec des enfants qui ne sont pas rendus là. Il y a un document, puis c'est dommage, deux choses qui étaient, c'est un document qui est excellent. Il y a deux choses qui est dommage, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté aujourd'hui. Un, c'est juste en anglais, mais je sais que tout le monde parle anglais ici. Deux, ça vient du Manitoba, puis avant qu'on change de curriculum, leur curriculum était identique au nôtre, c'était sous le pont protocole du West canadien, quelque chose. Puis ce que j'aime de ce document-là, je vais le trouver, ce que j'aime de ce document-là, c'est que tu avais ton RAS. Puis un coup qu'on comprend, si on va avec la comparaison le document comparaison des RAS qu'on a fait l'an passé, les consortiums, tu vas chercher ton RAS qui est dans l'ancien programme, puis ça te montre les compréhensions antérieures, des tests qu'on peut faire, des jeux qu'on peut faire. Alors, si vous laissez-moi quelques minutes, je vais aller le trouver. Ça, c'est Manitoba. Je vais aller trouver ça tout de suite, je vais vous le montrer. Donnez-moi une minute pour trouver ça. Bookmark. Ressources en mathématiques. Autre source. J'ai toujours la misère à le trouver. Pensez à d'autres questions si vous voulez partager autre chose avec nous. Ben, j'aime le fait qu'on a accès maintenant aux mathologies gratuitement sur Learn Alberta parce que je les ai eues gratuitement pendant la COVID. En gros, on avait accès au matériel gratuitement. Mais depuis la fin de la COVID, maintenant, il faut débourser. Donc, je suis contente de savoir. Je savais pas ça. Oui. Donc, je suis contente de savoir que les livres sont quand même encore accessibles sur Learn Alberta. Donc, c'est intéressant. Manitoba. Est-ce qu'il y a un document que je veux essayer de trouver? J'ai toujours un de ces jours, je vais avoir le temps d'organiser toutes mes ressources, mais je crois que ce n'est pas arrivé. Ici, j'allais vous montrer une autre chose que je peux vous montrer. Là, vous ne le voyez pas, hein? Je vais faire job. Voyez-vous à l'écran, non? Non. OK. Puis je vais le mettre dans le... C'est les maths et dans le sac, c'est première année. Sauf que c'est ça que je vous disais, c'est qu'au début, avant, leur curriculum était vraiment parallèle aux notes. Tout était en corrélation. J'avais vérifié tous les races. C'était à 99% pareil. Tandis que maintenant, c'est un peu différent. Bingo Day. Alors, vous voyez, là, vous voyez ici les maths, c'est dans le sac? Le voyez-vous? À l'écran? Oui. Okay. Alors, si je prends le Bingo Day, je peux ouvrir soit en Word ou Adobe. Je vais aller ouvrir en... Je pense que je vais ouvrir celui-là. J'étais les maths dans le sac, ici. Ce n'est pas lui que je veux. Alors, je vais aller ouvrir Bingo Day. Je vais aller ouvrir celui-là. Word. OK. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne tout de suite des dés ordinaires, une feuille de bingo pour chaque joueur, deux à chaque, donne la règle du jeu. Puis ça va aller te donner aussi le Bingo Day à faire. Ça te donne tout de suite des idées. Des exemples de jeux. Par contre, ce qui est bon pour vous autres, c'est juste à savoir, parce que là, ils disent première année, puis là, vous me parlez de maternelle, moi, je commence par la fin. Quel est votre but? Quelle est votre race? Le marathon des additions, la bataille des dés, je vais aller vos jeux de mémoire. J'adore le petit jeu de mémoire, puis ça se fait très bien. En maternelle, c'est un jeu de mémoire. Puis ça ici, ce que j'ai fait avec ça ici, tu peux le faire en jeu de mémoire. On photocopie ça, on le découpe, il y a toujours du matériel à faire. Ou ce que j'ai fait, je le faisais en jeu de classe. J'avais toutes ces cartes-là ici que je découpais, chaque rectangle, je le découpais. Puis je donnais une carte à tout le monde. Puis tu disais, OK, trouve la personne dans la classe, les personnes dans la classe qui y a le même nombre.
Alors, un 7 peut être le 6 et 1, le 7 avec le chiffre, le 7 comme ça. Puis c'est mettre ça ensemble. Ou les enfants, tu les fais. Ça peut être un centre aussi. Puis ça, malgré qu'ils disaient que c'était maternel, première année, mais là, maintenant, c'est rendu en maternelle. Vous photocopiez ça, vous le découpez, puis vous faites travailler les enfants ensemble, un groupe de 4. Mettez toutes les... Trouver tout ce qui représente 7, tout ce qui représente 8. Alors, ils doivent vraiment le compter. Alors, ça ici, il y a de très, très, très bons jeux. Je vais le mettre tout de suite dans la boîte de clavardage, fait que je n'aurai pas besoin de vous envoyer de courriel. Voilà. Et il y avait un autre que je cherchais. C'était l'autre, c'est en anglais. Ça va être mathématiques, programme d'études. C'est lui. Et ma boîte à outils, carte de route de 7e année, non. Calcul mental, 11e année, vous avez vraiment de tout, rendement. Mon enfant à l'école. Je ne le trouverai pas. J'ai ça vous faire attendre quand je cherche des choses comme ça ici, lien utile. Bienvenue aussi de mathématiques. C'est ici. D'appui, c'est ça, document d'appui. Ça, ici, le nombre. Ben, ici, résultat d'apprentissage par niveau scolaire, maternel, je vais aller en première année directement. Non. OK, j'arrête. C'est parce que là, je cherche quelque chose, je ne le trouve pas. J'ai vos courriels, je vais le trouver, je vais vous l'envoyer. Ce que j'aime du document que j'essayais de trouver et que je ne trouve pas, c'est vous trouvez le RAS, puis on vous donne les connaissances antérieures pour ce RAS-là, puis il y a des petits exemples d'évaluation, soit juste en privé, surtout pour adresser Émilie qui disait j'ai des enfants qui ne comprennent vraiment pas, ils sont faibles, ils ont manqué beaucoup d'école, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Puis là, vite comme ça, là, je ne l'ai pas apporté de la main. J'ai toujours, on dirait qu'il se cache toujours. Chaque fois que je programme des thunes. Bon, j'arrête. Je ne le trouve pas. Je vous promets de vous l'envoyer. OK? Puis, si jamais vous avez des difficultés à naviguer à travers, des fois, c'est un petit peu difficile, envoyez-moi un courriel, puis on se fait juste un petit coucou très, très vite sur Zoom, puis je peux vous montrer comment le faire. OK? Puis, ce que j'aime de ça, c'est parce que ça vous montre compréhension antérieure et non.